Corona fodi abas famane konto fili nan luma ntamma mawali kwi parce que mi re nan tamma lima na re nan mamma li de ma objectif a tenye ta di daten mes objectifs tant qu'un bon guinéen mais ntamma mi re ma war ma ramma objectif échoué. Avec tes conseils, il faut des personnes aguerries, constants, cohérents et patriotes. Mais, je ne suis pas de ce qu'on pense de moi. Hein. Non, non. Il nous faut des Abbas Tongo, à notre manière. Il nous faut Norbert Touré Tongo, à notre manière. Il nous faut Salf Silla Tongo, le frère des frères. Et tant d'autres, le Bachir, et la Fanta Jamila Kamara Tongo, ainsi de suite, et Mouloualo Mri. Parce qu'on Mri ni Ouem, il faut connaître d'abord, cherche d'abord à connaître la personne avant de prononcer quelque chose, quoi que ce soit, de la personne. Le Guinéka Mounana Nabama, Ouem Manantui, Mouna Komba Nankui, Moumou Blema Fora, Moua Borinara. Hantina, amoufolo mama dima, amoura nyom mama. Tant qu'on vit, mon exemple fume en nouvelle génération, ma lama rayera kine, ou kel ma oule nankui. Et puis, nare falama, ah la France est derrière, non, non, la France est derrière son intérêt. Maintenant, on fanga l'eau derrière l'intérêt de la Guinée. Ça, c'est dans deal. C'est pas compliqué. Arrêtez d'accuser la France, l'Amérique, ceci, cela. Quand la Guinée qui est narrative, qui a intérêt à Rambira, c'est ce mot, ma sotoma. Faut te bring. C'est comme ma menine. Ma dit, où le fallait nara. Non, 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 dira. N'ta mou meri lima. Faut la basse meri lima. N'a mou y bori gérerie. Parce qu'à gérer rouler nan kui. Moi, personnellement, moi, je suis fatigué d'écouter les bons Français. Amour de la Guinée, je ne m'a tédé. Parce que, je vais remarquer, si je suis en train de me faire, je vais me faire. Ici, c'est mandatory. Fille ou anglais. Deuxième langue, c'est l'espagnol, parce que n'est bobé, c'est l'anglais. Alors, vous avez remarqué le Sénégal, c'est Olof, à mon émoi. Partout, c'est ça. Mais la Guinée, il va nous rendre confus, c'est-à-dire, il va nous tourner, continuer à parler le Gaulois, ou bien, dans ses maclou. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être clair, fidèle, fier d'être guinéen, c'est tout. Honnête dans la gestion publique. Non, non, moi, intéressé. Venez et partagez dans les groupes. Et surtout, mettez les cœurs. Alors, quoi, soma, soude, kine. Mamadi, mou, tammi, flatema. Pour avoir un jour, ou deux jours, ou un mois, ou une année, m'aurait supporté ma pour avoir la Guinée et les Guinéens. Pur et simple, c'est ça. Mon animosité, mon amour, nous nous rions contre. Ntan, Fode Abbas et tant d'autres. Parce que je sais que nous sommes écoutés aujourd'hui à travers le monde. Parce que mon enfalma, c'est nourrissant. Mouraoui est constructive. Surtout au niveau de la nouvelle génération. Nous ne sommes pas là. Tout est en falatine, ça fait bête falatine, ça fait bête falatine. Non, attendez. Non, 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 non. Ça, c'est pas moi, ça. Moi, mal connu. Hein? Mon frère également. Non. Très bien.
Donc, on aura temps, Tongo, parce que on a le temps pour vous. Naga mukolonga akolo. Naga nyam mafama muna famfala. Momo nyeli bombo mata muna kolo. C'est ça la vérité. Bintou. Va ouya. Akolo non dit tant kali anenga krena ma. Ina fala wunya wono mane ube tara wono. Mais ma sœur, je m'excuse, ça c'est, je suis obligé. Parce que dans mon taré, c'est pourquoi moi je ne suis pas hypocrite. Tu n'y fais pas la tine à ma non, non, non. Quand ma dina la Guinée, elle est là, 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 parce que question, elle est là, elle est là, elle est là, elle a évolué maintenant que la Guinée Kébé. La Guinée rare le Kmébé. Une question dans ce moment. Mais à nous, à Nifegel, une émission balamane parce que toi, à émission là. À nous, nous a évolué de comme lui. Il belle réalité, alors qu'il y a un moment de la Guinée rare ou aïe, parce que vous voyez, il y a un bourri à l'homme. À un bril n'a pas non dit crat, ou la Guinée mourut tardé, ma son à sa fine. À un ganar, ribana, et non, non, mina qui. Alko nga jesson fa yina ba la gina kabrimbe gire na bre bara me fo da ba sinan tantoro ma ma mirinde na na parce que ta kolon na kembu kek fo mfa na ram fala me ben na fala me ben parce que tir nyama ya ra non di na ngelima ki mu na nyama ra non di fala ma nyama bella i nyama ko na kanama min ma na fala be c'est si rafira mona luma donc il fa no ma minide i mo mali. Parce que c'est un bien commun. Et il est bien commun rare. Un groupe d'hommes d'Ondrout a utilisé ma yétébé pour manipuler le reste. Au mot de moi, il faut rééquilibrer. Je suis en mission. Je suis dans ça, Tagimbe. Il dans ce bar, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non, c'est pas important. Faut arrêter, mon frère. Il n'y a rien à faire. La Guinée qui est ma il voulait la matima, voulait soubassement mouna. Et puis toi, tu m'as à circuler au milieu entre la vérité et le mensonge. Donc, racine ma bé. Oh, la Guinée qui est trompée, ma juste à cause de vos intérêts, sales intérêts. Ou à colo, ou mouna garantir à la bafé, n'a rien nommé la Guinée, y a badé, ou voulez. On met la colonne, rien n'a pas eu. Donc, quand il finit la Guinée Kanana, il y a la colonne, oui, la Guinée est femme, il y a un peu de temps, il y a surtout, il y a un peu de temps, il y a un parce qu'il y a un peu de temps, il y a un la Guinée ka riyalangi, khay tiri sa yiray kobri souma ay kolom, mais khay fura ou ina sou problem kwa, mi kolom salam mouwa ma nanangaba khay fura ina sou den ri, idandande ba fafi mkana ma, gouvernement ka aide ka fema kala fin donire ma non dira donc mouna na campagne ne mouna na démarche ne auprès de tout un Guinée honnête aime ce pays. Moi, objectif Birinanek. Oui. Et non, maman dit Traoré, soirée Tongoya. Il est tout le temps avec nous. À Koula, rien ma benne. Anon dit Farinaki, malgré que on met l'aventure que la yer makina. C'est ça. On met ce canaki ramayon dans sa démarche non quick. Demas Oulé Nara, à Oulé, 3 ans. Prenez les Guinéens pour qui?
alo borana na motanway constitutionnel mira ika domaine mara sente e manipulé c'est-à-dire imu noma ladara eric chame denare yam sasibe denare et seulement touré denare et biri transition yo fa itana kui nam fera parce que et j'ai tant dit nare ma sotto marion quand la Guinée fera regardez fera regardez une aventure. Comme moi, de nom, on a rien de mal à ma campagne. Qui moi, ma n'a pas fait ou une soudainerie. Très bien. Maintenant, on m'a question singeto n'a pas fini de faux de Abbas Bira à Rafa Lambeba. Ou rare, mais n'a question ça fait autant. Auditeurs et auditrices, nambe, ou an ou a étudié là-bas, parce qu'en enfalement, ou a union saron, ou a regata, l'oreouia alaï, ou moufarma l'okre. Transition mouna, barkana, dans la maraba, à la bas me dit, tout question n'a mec. Magena ma, répète le gros volontaire, parce que je suis à tout près. De comment on a dit Toronto, s'il faut. Il fait froid maintenant sur moi, ça commence. Moutan Garakanana, mon rebarato, à Brena qui s'est fini. Très bien. Ouanga, ou Moubouma. C'est Borena ou même Moubouma, Tunde Kui. On nigger, fin d'indé, safari. C'est Bangoula. Allô? Allô, oui. C'est Bangoula, Imama, Ikena, Bantangwanyi, Kweba, Ribadea. Il est 10h ici. Ah, Imama, Gambar, Dede, Waldea, Kossia, ça ne peut même pas. Oui. 10 minutes, hein? Voilà. Très bien. Et voilà. Ah, oui, il est Bangoula, vraiment, d'abord, n'a pas de nom, Inwali, Alara, Braif, Ima, Itanan, Tongo, Lagina, Kabe. La Guinée dit, mais il a raimoulara. Chaque émission, on nous gagne. On crée ma sotome en ma compte colo. Ah, yi Bangoula ramène à Ikana Mende en France. Rara numéro naïra soigné là. Ra wenye a bori malima. Ra wenye a sentane ba ma mère fouri. Ra wenye la Guinée plus namatoma. Parce que je vous dis, croyez-moi. Ito ou en fait, Mamadine ra tout le roi, il te regarde, il te coûte, t'en a fait arriver. Ça peut te dire, pour vous dire, parce que ni tant vous voyez, mané. Vous êtes un homme à respecter. Un monsieur. Oui, oui. Ça, il faut le reconnaître. Donc, Moubari la Walissa Nara ira contribution auprès de la nation guinée. Et Nare et Taouma. Au fang bien en allant que Guinée remet des mètres fourri il nous t'aide moi vidéo partagé fait ira ce Ibn Adam et ira han reste na kindia quoi ramani à la femme au moment et je vais profiter également de ma condoléance adressée famille Bama à kindia à la Fabio ma femme a sauté na qui maintenant à tamuna wira. On va la transition barakana. A barayon. Parce que la falane mama dibe. Mais il n'a rien. Alou ya falaki n'a rien recyclage. Il n'a rien recyclé. Et tout le mati. Il n'a rien à la Guinée. Il n'a rien à la Guinée. Donc. A mame. Transition barakana. C'est la démona. Et n'a roulé n'a tout mati fait. A moussarama. Naselama, Haraba, on a wati na raikito. Parce que wama grebini alko la gine na bakwabura. Naga yeti, terra fe mana ki funfurera, anife funfure so, amu keren toma so na bin mara skade fe. Parce que nyama mura tima. Naselama, Haraba, Araba ma di. Ma question brin nana ki beto. Ibangura. Otul mati rira. Encore merci. Et, oui, akato manembe, merci. Et
On a marre tout le temps de nous m'aider. On a le nom Tina, mais est-ce que Tina Moussa fait la bébé là? Mais on a un billet qui est à la va billet salifi à Wadira. Alhamdulillah. D'accord, il n'a pas la va billet salifi à Wadira. Parce que le mandat est arrivé par là à la va salifi à Wadira. Oui, je l'ai ici. Dans le cabinet, il faut donner ça aux gens. Parce que moi, il y a un sommet de temps. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Mais il y a un temps, il y a un temps. Oui. Non, on a un papier, on a un papier, on a un papier. Oui. On a un papier, liberté, on a un papier. On a un papier, on a un papier, on a un papier. Mais il y a un temps, on a un papier. On a rempli un peu de favoris. Il s'en vient à tout. 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 Il s'en Enfin, là, on met que Grimouf Parama Sono, on te fait ma Iborima. Et justice, justice en fin de ma boussole là. Dans la transition, orientément, on fait l'amour à la Guinée. On m'a violé ma reine Sono. Ainsi de suite. La personnification du pouvoir. La gabégie, ainsi de suite. Tout ça, c'est un beau discours. Oui. On va revoir tous les jours à Bamako. Si c'est comme ça que ça se passe actuellement, aussi il n'est pas informé, mais il essaye de sortir lui-même pour constater ou bien appeler les gens. Et c'est pourquoi moi, j'ai choisi. Parce que c'est pour lutter contre l'injustice, d'une part, mais aussi c'est pour promouvoir la culture de la contradiction et débat contradictoire. Oui. Et que il a fallu oui le matin, quelques instants après, il faudrait quand même que d'autres aussi disent non. Mais là, ils vont vous dire pourquoi ils ont dit non. On me donne la parole. Oui. Et vous faites des débats contradictoires. Oui. Et il y a des arbitres qui sont des juges. Et vous allez interpréter les lois et les textes. Oui. Et avec des arguments à l'appui. Et des arguments solides. Sans être désagréable, parce qu'on peut être ferme sur les principes sans être désagréable. Quand vous voyez quelqu'un insulter, c'est qu'il n'a plus d'argument. Et quand on n'a plus d'argument, on insulte. Et les injures, souvent, c'est pour les hommes qui n'ont pas assez de culture, pour ne pas dire qu'ils sont limités et ils sont butés. Alors,
Vous avez posé une très belle question. Ouais. Mais avant de répondre à cette question, et je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais voir dans quelle mesure je peux apporter ma modeste contribution. Je n'ai pas la prétention de donner la solution, parce que nous avons des aînés qui ont de longues années d'expérience que nous pouvons mettre en contribution pour nous éclairer et éclairer notre religion. Ouais. Voilà. Et mais ce qui me fait mal dans ce pays, c'est de voir notre pays en spectacle et que il n'y a pas un pays, si je ne m'abuse, qui a été plus ridiculisé que la Guinée. Sur la scène internationale, sur la gouvernance, sur le comportement, je crois que il ne fallait pas mettre même le chien, la FPJ, sur satellite. C'est vrai, c'est une bonne chose à l'époque. Quand Mamadi Kone, je crois que c'est lui qui était ministre, si je ne m'abuse, je me rappelle ce jour, c'est que le général Vincent Raconté avait dit à ce propos, vous avez pris la responsabilité d'ouvrir, de mettre la FTG sur satellite. C'est le monde entier qui va nous regarder maintenant. Et faites en sorte que vos émissions soient qualifiées et que ça soit professionnel. Cadré. Et cadrer et vendre l'image de la Guinée à travers le monde. Ouais. Je crois que ce jour, il a même offert des pick-up, si je ne m'abuse, à des différents correspondants, je crois, de positionner le pays et essayer de qualifier leurs émissions. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Parce que tout ce qui était le mythe qui entourait la Guinée, qui enveloppait la Guinée, s'est effondré. Je vous assure. Et je parle sous serment. Hein. Parfois, les gens me posent la question, maître, est-ce que vous-même, vous êtes guinéen? Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur vous? J'ai toujours répondu, je dis, il y a des bons guinéens toujours qui ne sont pas écoutés. À force de les insulter, à force de les menacer, à force de les traquer, chacun s'est reconverti à une religion, c'est-à-dire la religion. Hein? Le mensonge ou bien quoi? Non. Une religion de repli pour toi. Une religion de ne plus accepter d'opiner. Une religion est qui pousse quelqu'un à renoncer même à son âme. Parce que c'est le seul pays, l'un des rares pays, où on peut tuer quelqu'un et que ce soit, ça passe comme une banalité. Rien. Comme si l'être humain, même je pense parfois que les objets de valeur ont plus d'importance en Guinée, l'être humain. C'est le seul pays où je vois que la voiture même est considérée puisqu'il est un être humain. Ouais. Tu ne parles même pas d'un avion, hein? Ah non. C'est ça, c'est autre chose. Mais, un bus d'occasion, si c'est calciné quelque part, tout le monde en parle. Mais, la mort a été banalisée dans ce pays. Et ce pays s'est familiarisé avec la mort. Depuis avant les indépendances. Alors, ça, c'est vraiment regrettable. Et aujourd'hui, regardez ceux qui se disent représentation nationale. J'ai du mal à prononcer même ça. Parce qu'une représentation nationale, c'est autre chose. Ça, c'est les élus du peuple. Mais, vous avez écouté dans ça. J'en parle avec peine. Je me demande ce monsieur, il a étudié dans quel pays. Et je veux savoir réellement son cursus.
Parce que le problème de ce pays-là, chacun est docteur, chacun est universitaire. Mais quand tu demandes à quelqu'un, dis, ah oui, j'aurais appris avec l'autre, personne ne montre un diplôme. Mais il dit, ah oui, moi j'aurais appris. Ah, moi aussi j'ai appris avec elle qu'il est médecin, il est vétérinaire, il est ceci, cela. Mais écoutez, c'est un pays où on ne peut pas consulter les archives. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est vraiment grave. Sinon, dans les conditions normales, c'est très facile de vérifier même les notes que vous avez obtenues à l'université, si les archives sont bien conservées. Mais comment ce monsieur peut se donner le spectacle? Il prend la parole pour dire que il ne peut pas interpréter, on ne peut pas interpréter une loi. Il faut aller même consulter les anciens députés ou bien les anciens législateurs pour tout ça, pour connaître l'esprit des lois ou bien de cette loi. Mais je suis vraiment navré et je suis désolé que ce monsieur ne sait pas que le droit c'est une science. Et qu'est-ce qui fait du droit une science? C'est l'interprétation des règles juridiques qui fait du droit une science. Très bien. Et les méthodes d'interprétation sont très claires. Je ne sais pas, ils pensent que le droit c'est du bavardage. Non. On n'a pas besoin aujourd'hui d'interpréter la constitution américaine pour aller prendre, réveiller les constituants qui sont morts. Peut-être on peut consulter les archives, les débats, pour essayer de comprendre le contexte, ainsi de suite. Il faut dire à ce président, entre guillemets, le CNT, qui ne représente pas la Guinée, mais il représente la Guinée dans sa médiocrité. Non. Parce que je sais qu'un professeur Sanchez-là ne peut pas tenir des propos comme ça. Et même, il y a certains membres du CNT, si on les avait donné la parole, ils ne pouvaient pas s'exprimer ainsi. Quelles sont les méthodes d'interprétation des règles juridiques? Parce que c'est le béaba. Les méthodes d'interprétation sont laissées au libre choix du juge pour pouvoir, ou des professionnels, pour pouvoir interpréter la loi. Même si je prends la loi américaine tout à l'heure, ou bien les textes américains, les lois américaines, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis ou bien réveiller les constituants parce qu'ils sont déjà morts. Mais moi, je peux l'interpréter. Et c'est ça. Parce qu'il y a des méthodes d'interprétation qui sont à la portée des professionnels et des juges. Et celles-ci doivent permettre à ces professionnels chronologiquement de présenter l'ordre d'interprétation. Il y a la méthode exégétique, il y a la méthode téléologique, et il y a la méthode créatrice. Alors, il y a tant de méthodes, mais voici les principales méthodes d'interprétation des règles juridiques qui est à la portée de tout bon juriste. Parce que si je ne m'abuse, ce sont les cours de première année droit. On vous apprend comment interpréter les règles juridiques. Comment rédiger des procès-verbaux en travaux dirigés, si je ne m'abuse. Les méthodes d'interprétation, c'est ce qui fait de droit une science. C'est-à-dire, on te donne un texte. Et si la loi elle est confuse, vous pouvez même aller au-delà. Oui, pour essayer
Dinobé, c'est parce que le juge, c'est pour qu'on parle de la méthode créatrice, parce que le juge doit produire des jurisprudences. Oui, en interprétant les textes. Parce que le juge ne peut pas dire, je ne peux pas juger ce fait parce que ce n'est pas prévu par la loi. Comme la loi, c'est une œuvre humaine, on donne la possibilité au juge, dans certaines matières, d'aller, voilà, et faire l'œuvre. Et c'est pourquoi la jurisprudence a beaucoup enrichi le droit comme l'une des sources modernes de droit. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Je voulais rappeler tout simplement à ce monsieur qui parle avec une légèreté, hein, déconcertante. Parce que quand il parle, c'est comme si c'est un homme, hein, qui se promène dans les rues de Conakry qui parle. Avec un langage décousu. Oui. C'est même honteux. Non, c'est-à-dire le gars. Le pays. Pourquoi il ne demande pas, hein, des notes techniques pour lui avant de prendre la parole à des niveaux très élevés comme ça? L'image même de cette transition a été écorchée, a été sabotée. C'est quand ils ont choisi des hommes comme Dansa. Oui. Et le choix de Dansa a été précédé par une corruption. Et certains dealers, et l'un d'alliés même, au moment opportun, nous allons les dénoncer, qui sont prêtés à ce jeu. Et notre ami Bogola Abba, il a beaucoup joué pour convaincre les gens, et ceux qui ont refusé, et c'est pourquoi il a quitté la natte. Parce que dans les coulisses, les gens faisaient la promotion de Dansa, et l'argent qui a été décaissé au niveau de l'Assemblée nationale, ça a servi à ça. J'étais à Conakry, je sais de quoi je parle. Certaines radios même ont signé des contrats avec Dansa pour essayer de faire sa promotion, ainsi de suite. C'est dommage. Le démarchage comme ça, c'est pas digne d'une république. C'est pourquoi cette transition a été d'abord, comme disait Descartes, chaque gouvernement monte avec les ambitions de son échec. Et les ambitions de l'échec de cette transition étaient dès le début. Quand les postes ont été marchandés, quand ceux qui étaient chargés de faire le choix des hommes qui devraient accompagner Mamadi, hein, pour accomplir cette transition, et je pense qu'elle doit être la dernière ou l'avant-dernière pour la Guinée. La Guinée a été toujours en transition. Même notre indépendance, nous avons été en transition, mais je crois qu'un jour ça va lâcher. Parce que si cette transition doit produire une constitution taillée sur mesure de quelqu'un, vous serez tous dans la transition. Parce que chaque étape, après avoir pillé le pays, les mêmes vont se recycler autrement pour pouvoir encore tailler une constitution et mettre un homme, et finalement, qui ne va pas dire au nom de la réconciliation, il faut que tout le monde vienne encore. Mais ça ne peut pas continuer. Vous offrir l'impunité permanente. Ça ne se fera pas. Voilà. Et ceux qui pensent que sont dans cette logique, la Guinée a changé, les Guinéens ont changé. Et moi, je pense que vous allez trouver un jour, pas nous, hein, mais vous trouverez des vrais patriotes devant vous, résolus à vous combattre. Et ils le feront. Alors, pour revenir sur la question, vous n'avez pas besoin d'aller dans un pays, prenez les textes, mais vous avez des archives, vous consultez, même sur Google, vous pouvez consulter, si ce n'est pas pour gaspiller de l'argent du contribuable. Vous pouvez avoir quels sont les débats qui ont précédé à l'élaboration de cette constitution, de telle année en telle année. Vous pouvez avoir toute la documentation nécessaire pour pouvoir quand même vous prononcer sur le cas. Vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est vous avez prouvé que franchement, n'êtes pas à la hauteur. Et ça, je suis désolé qu'on me dise que mon pays est représenté par un monsieur comme ça. Ça, vraiment, je suis désolé. Et la deuxième remarque, j'ai vu dans la salle où Dansa devrait venir, j'ai vu l'image d'une dame qui a pris notre drapeau comme éventail. Mon frère, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un drapeau pour un pays?
représentons. On a l'impression de faire notre drapeau aujourd'hui, bonsoir. Chacun se réveille, il met sur son cou, c'est comme si c'était une sorte d'écharpe. Non! Le drapeau d'un pays doit être respecté. Mais naturellement, si vous connaissez le, si vous connaissez, ça symbolise quoi? Mana pas la sosoui. Pour ma drapeau, à ce moment-là, imaginez de là. Aïta ma pile tempé, nanana, calme-lui. Bon sang de bon Dieu. Non, on ne pas dit bon Mounduma. Et ma valeur, Nankolo. Non, écoutez-moi, parce que ils sont tous des officiels là-bas, parce que l'ambassadeur était là-bas, tout le monde. Pensez que les symboles de la République peuvent être traités comme ça. Ça, c'est l'image de la Guinée. D'abord, la salle que vous avez. En âge, si c'est aussi fait chaud, mais mettez les mouchoirs. Ça, c'est manque d'organisation. Mais après tout ça, à drapeau, on a tout le monde. Drapeau, ma drapeau. Eh, la Guinée. Eh, la Guinée. Vous pensez que ça, ça peut honorer notre pays? Laissez les détournements là, tout ce que vous faites là. Mais le symbole, notre rouge vert, vous prenez ça, vous traitez ça comme ça. Allah Akbar. Ça me fait mal au cœur. Ce n'est pas le symbole que vous renvoyez, l'image que vous renvoyez de notre République. C'est une femme, mais elle a son niveau prescrit. Moi, je ne veux pas l'emblouer. Parce que les gens qui étaient à côté de lui, ben, pardon, un ambassadeur qui pourrait dire, ah, madame, attendez, moi, je vais vous donner même. Non, je vais vous donner même ma chemise. Ma chemise. Je suis prêt à vous donner ma chemise pour sauver le drapeau guinéen. Pensez que quand beaucoup de soldats tombent, c'est pour défendre ce drapeau. Oui. Quand vous prenez ce drapeau, vous remettez à même à l'équipe nationale, c'est pour aller défendre nos couleurs. Mais si vous prenez les couleurs là pour en faire des trucs, ça veut dire que l'image que vous donnez à notre République, la conception que vous donnez à la République, voilà, c'est ça. C'est vraiment dommage. Et je vais me limiter là, parce que c'est une femme. Si c'était un homme qui avait fait ça, je sais ce que j'allais dire aujourd'hui. Même si j'allais être désagréable, j'allais le faire. Mais comme c'est une femme, et j'ai ce serment de respecter la femme, voilà. Mais franchement, c'est pas beau, c'est pas joli. Alors, il faut dire à Dansa que l'interprétation des règles juridiques, vous apprenez ça à l'école, c'est le béaba. Voilà. Et vous ne pouvez pas interpréter un texte aussi constitutionnel si vous ne connaissez pas le droit constitutionnel aussi. Hein, si vous n'avez pas appris le droit aussi. Alors là, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit, par exemple, erreur sur la personne, c'est une cause de nullité de mariage. Erreur sur la personne, c'est une cause de nullité de mariage. Mais si le législateur n'a pas donné, n'a pas défini, qu'est-ce qu'il appelle erreur sur la personne? Alors, les juristes vont interpréter erreur sur la personne est une cause de nullité de mariage. C'est-à-dire, dès qu'il y a erreur sur la personne, le mariage devient nul. Maintenant, comment interpréter un texte comme ça? Parce que ça s'est passé en France ici, et ça a donné. Il y a d'autres avocats qui disent, oui, erreur sur la personne, c'est quoi? Je pensais que Mado, Madeleine était gentille, je l'ai épousée, je pensais qu'elle était correcte, elle ne l'est pas, erreur sur la personne. Ah oui, erreur sur la personne, je pensais que cette dame était fidèle, elle n'a pas, elle était ceci, elle n'est pas cela. Non, on dit non, c'est pas ça l'erreur sur la personne. L'erreur sur la personne, ça veut dire quoi? Je veux épouser Madeleine, on me présente Hélène. Et comme il y a des traits de ressemblance, je prends Hélène, et après, je me rends compte que c'est Madeleine que je voulais épouser.
C'est ce qu'on appelle erreur sur la personne. Erreur sur la qualité essentielle de la personne. Erreur sur la personne. C'est ce que le législateur voulait dire. Si vous vous trompez de la personne, vous pouvez revenir sur le mariage. Mais comme il n'a pas défini qu'est-ce que l'erreur sur la personne, tout le monde a interprété. Ça a cassé des mariages, ça fait ceci. Et le juge était obligé maintenant de fixer ce qu'on appelle la jurisprudence et de dire la haute cour de justice ou la cour de cassation va interpréter une bonne fois pour ressortir qu'est-ce que le législateur voulait dire. C'est là où le juge va faire preuve de créativité. Et si la personne veut dire tout simplement, je voulais épouser X, on m'a présenté Z. Voilà. Et vous définissez même la notion l'erreur sur la personne pour fixer le débat et fixer la jurisprudence pour que les juges qui sont en bas ne continuent pas à interpréter autrement. Ça, c'est un exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Si c'est en matière constitutionnelle. Vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes quand le droit n'est pas clair. La constitution a créé des problèmes au Sénégal entre Dia et Senghor, c'était entre le président et son premier ministre. Leurs attributions, parce qu'il y a des constitutions qui peuvent créer le bicéphalisme au sommet de l'État. Et les genres de constitution vont engendrer des conflits de compétences et au sommet de l'État et qui vont le mettre en danger. L'État en danger. Parce qu'il y aura coup d'État ou bien il y aura coup de force, ainsi de suite, il y aura des affrontements. Le cas de Senghor et Dia, vous avez vu comment ça s'est passé au Sénégal. Et c'est pourquoi les Sénégalais ont fixé, carrément maintenant, ils sont venus sur le régime présidentiel pour dire que, écoutez, si nous prenons des régimes hybrides comme ça, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Parce que le Premier ministre, qui est chef de parti et qui a la majorité et qui doit définir les politiques. Moi, le président est là. Il a cette attribution dans la Constitution, mais il ne peut pas s'arroger de beaucoup d'attributions. Parce que c'est le chef du gouvernement qui doit quand même défendre la politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale, les élus du peuple. Oui. Voyez-vous, il a créé beaucoup de problèmes sujet là-bas. Et au Niger, c'est ce qui a fait que Barry Maïna Sara a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que le président et le chef du gouvernement, chacun réclamait sa légitimité et finalement, les institutions n'étaient pas solides, ça crée des problèmes. C'est pourquoi dans un pays, avant de légiférer toute la constitution, il faut faire appel à des spécialistes. Ça, ce n'est pas une affaire d'étudiants ou bien anciens étudiants. Que dit? Et tout le respect que je dois à mon jeune confrère, il est brillant. Et tout le respect que je lui dois, faire la Sorbonne, tout ça c'est bien. Mais il vient de présenter sa thèse. Ça ne peut même pas un an. Alors, si on dit que c'est lui qui doit rédiger la constitution guinéenne, j'ai envie de me tirer les cheveux. Et même sa thèse de doctorat, ça portait sur quoi? Alors, mon chien. Voilà, parce que. Alors, et ça aussi, il était devenu commissaire d'abord, et après, il a remis des moyens pour aller faire ça. Parce que nous avons dit, et c'est dans cette émission que j'ai dit qu'il n'est pas docteur. Je dis, il était thésard depuis plus de 4 ans, 5 ans. Il avait sa thèse. Alors, mais sa thèse n'a pas porté sur le droit constitutionnel et sur l'histoire de la constitution guinéenne, voilà, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de constitutions, l'évolution, ainsi de suite. Parce que parfois, il faut amener les gens à faire des recherches sur l'histoire des pays et l'évolution constitutionnelle, et comment ces constitutions-là se sont adaptées dans leur interprétation, dans leur application à des difficultés, et comment éditer tout ça. Voilà pourquoi on amène les gens pour choisir des thèmes, pour aller faire des recherches, et vous-même, vous faites un travail qu'on appelle un travail original.
et vous donnez la solution, ou vous proposez des solutions à des cas, des faits qui ont existé, ainsi de suite, pour éviter. C'est ça le travail d'un universitaire. Il ne s'agit pas de venir dire tel a dit, tel a dit, tel a dit, Montesquieu a dit, tel a dit, tel a dit. Mais maintenant, comme disait le doyen, hein, et Ivoirien, M. Fofana, l'âge Fofana, qu'est-ce que vous avez proposé maintenant? Ça fait le doctorat, c'est ça? Et notre regretté, Mamoudou Bani, il a soutenu sa thèse sur le cas de la fiscalité sur l'industrie extractive en Guinée, au cas Guinée. Et il a mené des recherches et il a proposé des solutions. Voilà pourquoi, après son décès, et jusqu'à présent, il y a des fous qui entourent sa mort, parce qu'il a sorti beaucoup de choses. Et si il allait être l'un des meilleurs fiscalistes en matière minière, parce qu'il a fait une belle réflexion. C'est pourquoi, après sa mort, ses collègues ont décidé d'éditer sa thèse, un ouvrage. Il est disponible, on peut consulter. C'est un ouvrage de référence, un livre de référence. Ouais. Voilà le travail universitaire bien fait. Ce n'est pas bâclé. Mais, comme chez nous, où que ce soit, que vous soyez brillant, mais il y a l'expérience. L'expérience, c'est sur le terrain. Hein. Ce n'est pas à la fac. On doit apprendre l'expérience sur le terrain, la pratique du métier. Et c'est là où vous allez rencontrer, entre la théorie et la pratique. En principe, en Guinée, on devrait faire des laboratoires, recherches, ainsi de suite, pour essayer de réfléchir sur le cas guinéen. Mais nous sommes toujours dans l'émotion, dans les bavardages inutiles, nous sommes dans les pubs. Voilà. Constitution mal rédigée a créé des problèmes au Niger, coup d'État. La constitution guinéenne, la constitution de 1993, c'est une bonne constitution, c'est la loi fondamentale, rédigée par des professionnels. On a tout prévu. Un régime présidentiel, mais le président peut même faire une délégation de pouvoir, en cas d'empêchement, il peut déléguer une partie de son de ses prérogatives à une de ses ministres. Et c'est sur la base de ça que le président Kidia Touré a été nommé comme premier ministre, chef du gouvernement, ouais. Et tout de suite. Voilà. Alors, cette constitution, le premier ministre qui a été nommé, il avait une mission purement économique. C'était pas politique. Voyez-vous, ouais. Mais ils ont fait la réélection en 2010. Ils ont essayé de déséquilibrer cette constitution en faisant quoi? En faisant des innovations, des acrobaties, pour dire que maintenant, comme notre compte avait trop de pouvoir, pour éviter la dictature, ainsi de suite. Ils pensent que la dictature, hein, c'est le texte seulement. Non, c'est pas le texte, c'est l'esprit, même de celui qui vient. S'il veut être vraiment démocrate, même s'il y a une mauvaise constitution, il va l'appliquer et il va renoncer à une partie de son pouvoir pour déléguer le pouvoir, parce qu'il est démocrate. Mais on a retouché cette constitution, on a donné à qui? On a donné au président qui a été élu. On a dit, bon, il faut donner beaucoup de pouvoir au premier ministre. Est-ce que dans le gouvernement, dans les différents gouvernements de Alpha Condé, quel est le premier ministre qui a exercé la plénitude de ses prérogatives? Qui a fait? Amna. Qui pouvait nommer les fonctionnaires? Et proposer les ministres. Qui l'a fait? Personne. Qui pouvait prendre des arrêtés pour nommer les directeurs ou bien ainsi de suite? Personne. Ouais. Ou bien faire des propositions de décret. Parce que c'est lui qui est responsable. C'est lui qui vient devant l'Assemblée pour défendre sa politique générale. Ouais. Maintenant, si vous ne le laissez pas mettre les technocrates qu'il faut, les cadres dont il a besoin. Mais attendez, est-ce qu'il peut vraiment travailler? Non. Il ne peut pas. Oui, ça c'est clair. C'est pourquoi le ministre qui est là, il sait que ce n'est pas le premier ministre qui m'a proposé. Ah, oui.
l'un des rares premiers ministres qui a eu beaucoup de pouvoir dans ce sens, c'est Sidya Touré, président Sidya Touré, premier ministre Sidya Touré, parce que il y a eu des problèmes entre président Sidya et premier ministre Sidya et Jean Lata Conté, même pour la nomination de certaines personnes, par exemple, et Hadja Salam Daraba. Et l'ancien ministre de l'économie et des finances, oui. Voilà, je crois qui encore, parce que Conte avait émis beaucoup de réserves, mais il a laissé, parce que le pays n'allait pas bien, et voilà, et après, celui qui a été premier ministre comme petit président, c'était qui? C'était Kouyaté, qui est venu, et là, lui, il a pris même les préfets, les gouverneurs. Il a mis presque tout le monde était de sa région. Voilà. Sur les 34 préfets, 32, hein, 34 si je ne m'abuse. Alors le 34 Nara. Hein? Alors le 34 Nara. Si je... Voilà, si je ne m'abuse, parce que je n'ai pas le chiffre en face de moi. Et je ne sais pas s'ils ont créé encore d'autres préfets, tout parce qu'ils ont créé encore d'autres communes, et tout a été chamboulé. Ouais. Alors, sans tenir compte des moyens et de l'efficacité, ainsi de suite. On légifère sans envoyer les experts sur le terrain pour faire des études préalables. Voilà. C'est de l'émotion à l'action. Voilà. Sans transiter par l'analyse et la réflexion. Voilà. Alors, on ne gouverne pas par l'émotion. On ne gouverne pas un pays par l'émotion. C'est la raison. Il faut être rationnel. Et il faut être serein. Voilà. C'est une équipe qui travaille. C'est pas le travail d'une seule personne. Et lui, il est venu, il a tout charcuté. Et depuis qu'il a déréglé l'administration guinéenne, jusqu'à présent, l'administration guinéenne ne s'est pas retrouvée. L'ancien Kouyaté. Il a déréglé. Mais c'est moi qui le dis. Je te dis. Non, mais, depuis qu'il a déréglé, et jusqu'à présent, l'administration guinéenne ne s'est pas retrouvée. Et c'est ce qui nous a conduit au fameux coup d'État, hein, de 2010 avec les dadistes, et puis, ainsi de suite. Voilà le problème. Parce que, il a fait passer plus de 200 des décrets. Mais tout ça, mais un jour, c'est Alassane Oumipodi qui m'a envoyé la liste. J'étais avec Chantal Cole. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attendez, ce monsieur la sort d'où? Mais c'est grave. Et quand il a fait ça, celui qui l'a remplacé aussi est revenu sur tout ça. Celui qui l'a remplacé était Soirée. En matière de soirée. Lui aussi, il est venu, il a changé tout. Depuis ça, l'administration guinéenne est devenue, je ne sais pas. Bon, parlons bien. Allons-y sur la constitution toujours. Oui. Si une constitution a été charcutée, on a dit, oui, il ne faut pas donner trop de pouvoir. Maintenant, on a créé un régime hybride. Heureusement d'ailleurs, la Guinée, le coup d'État devrait intervenir depuis le premier gouvernement d'Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Non. L'opposition a gagné à peu près les élections législatives. Pourquoi Alpha a retardé les élections législatives? Parce qu'il ne pouvait pas enchaîner. Et comment il est venu au pouvoir? Il fallait lui donner le temps et avec le CNT qu'il avait. Travailler avec Tantira Betera, ainsi de suite, faire passer beaucoup de ces voilà, de lois. Mais comme ces lois-là, ces traités-là, il fallait attendre qu'il y ait une assemblée nationale issue de l'émanation du peuple. La DIA, il ne peut pas travailler. Ils ont fait la propagande d'abord, ils ont commencé. J'ai écouté Kirdi. Il a dit oui, on ne peut pas construire la route, on ne peut pas faire ceci, cela, sans que. Et projet, Simandou, projet tel ne peut pas être réalisé si on ne va pas à l'Assemblée aux élections législatives. Mais il faut que vous acceptez de donner une majorité au président de la République. Il n'y a pas la majorité, il ne peut pas travailler. Ça a été chanté partout. Vous avez été. Mais ils ont le débat sont là dans les archives. Moi, j'ai enregistré tout ça. Un jour, je vais les prendre face à face. Celui qui parle, je sors. Il dit, voilà, c'est ce que tu as dit à l'époque. Et finalement, même Ousmane Kaba, avec qui j'ai du respect, mais il s'est prêté à ce jeu. Simandou va rapporter, va créer combien d'emplois, ceci, cela, machin.
Aujourd'hui, ça crée combien d'emplois jusqu'à présent? Et ça ne créera aucun emploi parce que c'est de l'arnaque. Et ça ne fera que multiplier les contentieux éventuels pour le gouvernement futur. Et le président de la République qui viendra en Guinée va être confronté à beaucoup de contentieux. Oui, parce qu'on a signé, on a raboté, on a pris de l'argent ici, corruption, ainsi de suite, tout a été hypothéqué. Au lieu que la Guinée tire maintenant profit de ces mines, c'est les autres qui vont nous sauver. Tantôt 700 millions de prix, tantôt il y a tickets d'emprunt, tantôt il y a ceci, cela. C'est de l'arnaque. Et ça, c'est une autre bombe à retardement. Alors, pourquoi la Guinée était en crise? Parce que tout simplement, si l'opposition a gagné, et j'ai bien compris que la CENI s'est arrangée pour donner une majorité, mais relative, une majorité relative à Alpha Condé. Parce qu'on ne peut pas voler plus que ça. Parce qu'il avait perdu la direction. Et si on avait sorti les résultats réels, qu'est-ce qui allait se passer? Soit c'est Sélou Dalein, ou bien Sidiya Touré, ou bien quelqu'un d'autre qui allait être Premier ministre. Parce qu'il sera obligé de nommer le Premier ministre parmi la majorité ou la coalition de l'opposition. Et là, il ne pouvait pas. Et imaginez, c'est le Premier ministre, Alpha président de la République, ou bien président et Premier ministre, oui. Ou pas président de la République. J'ai la majorité à l'Assemblée. Voilà, j'ai plus de légitimité. Moi aussi, j'ai été élu, malgré que mal élu, mais j'ai été élu quand même. Alors, tu as vu le problème? Qu'allait se passer? Oui. Les décisions n'étant pas solides, la Guinée n'allait pas se couper encore. C'est pourquoi, quand vous allez légiférer, il faut beaucoup réfléchir à des conséquences futures. Oui. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la notion et vous n'avez pas les spécialistes, les constitutionnalistes. Pour vous expliquer ça. Moi, ce que j'explique là, c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Oui. Mais j'ai appris, j'ai fait des recherches oui. Et j'ai acquis notre diplôme ici quand je suis venu. Mais je prends l'exemple de la Guinée, d'analyse. Et le coup d'État là devrait intervenir, ça fait longtemps. Oui. Mais Alpha a eu la majorité simple. Il ne pouvait pas gouverner. C'est pourquoi même l'Assemblée nationale, il n'a pas pu changer. Il n'a pas pu changer le règlement intérieur. Parce qu'il n'avait pas la majorité requise pour le faire. Et c'est le règlement intérieur de l'ancienne Assemblée nationale, de l'ancienne Nathana Conté, et c'est le même règlement intérieur qui a continué. Vous avez vu combien de fois il n'a pas pu gouverner? Il n'a pas pu. Ok, monsieur. Parce qu'il a été mal élu. Ouais. Et après, et les élections aussi, c'est passé, on ne peut pas voler plus que ça. Et puis, voilà, finalement, il n'avait pas la majorité, il ne pouvait pas gouverner. Il était obligé maintenant de rentrer dans les combines, dans les trucs et ainsi de suite. Voilà comment le pays était. Son premier mandat, et après, sans oublier, il y avait aussi Ebola, il y avait beaucoup de choses. Et même ces ministres n'ont pas pu interpréter ça. Son ministre secrétaire général, qui devrait le défendre, il est incompétent, il n'est pas juste, il ne pourrait pas quand même expliquer au peuple pourquoi il n'a pas échoué. Lors de son premier mandat, pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'avait pas la majorité, il n'avait pas, et vous n'avez rien fait pour lui donner la majorité, parce que votre comportement et votre façon de faire, ça décrédibilisait le gouvernement. Oui. Parce qu'à la présidente, il n'y avait pas de laboratoire ou des conseillers compétents pour pouvoir quand même faire la et pour faire. Un travail élaboré. Pourquoi notre transition a échoué? Revenons sur ça. Non. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Et comment faire? Oui. Je crois que voilà les questions que vous avez posées. Oui, oui, effectivement, oui. Je ne m'abuse. Voilà. Oui, non, maintenant là. Bon, alors, la transition a échoué parce que nous sommes venus dans le mensonge. D'abord, le mensonge qui a engendré la prise de pouvoir. C'est le même mensonge qui a continué. On a dit, nous avons pris le pouvoir
pour éviter les bains de sang, pour éviter les études étaient bloquées, parce qu'il y avait troisième mandat, ainsi de suite. Si vous prenez le pouvoir pour ça, officiellement, nous sommes d'accord. D'abord, il n'y avait même pas de constitution, parce qu'on avait aboli l'ancien, et la nouvelle a été votée dans quelles conditions? Et on a même fait des rajouts. On a même enlevé certains articles. Mais incroyable, ce qui n'est jamais vu dans aucun pays du monde. Alors, la Guinée, là, ça me dit seulement que ça peut se faire. Oui. Et que les gens banalisent ça. Ils n'ont pas d'autre autre chose. Oui. Et à force de banaliser, les autres ont fini par nous banaliser. Et nous sommes devenus une république de banalisation. Et voilà. Le problème, c'était là-bas. Et ce que vous avez dit, vous avez fait le contraire. Les gens qui ont été à la base de tout ça, vous les avez encore recyclés un à un. Oui. Et d'ailleurs, vous les avez tous repris. Et vous avez mis hors jeu certaines têtes qui pouvaient quand même vous porter ombrage. C'est tout. Tout le reste. Qui n'était pas dans le troisième mandat de Alpha Condé? Ils étaient tous là-bas dans ça. Dans ça, on a et sortez ce qu'il a dit. Oui. Là, on a terminé là. Et oui. Maintenant, là, puis... les élections sont derrière nous. Allons-y sur autre chose, ainsi de suite. Ça, ah. C'est le langage de cabaret, le langage oui. De. Et puis, il faut de faire le coup d'État. Non, la dictature de... des institutions, quoi, là. Je ne sais même pas. Je ne veux pas m'habituer à ça. Non. Parce que je risque encore. Mon cerveau va s'habituer à ça. Je risque de tenir des propos comme ça, quelque part, devant et ça va me coûter. Ça va me coûter ma carrière. Bien sûr, attention. Mais bien sûr, oui. Non. Ça, c'est des langages qu'il ne faut pas. Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai un ami, un camarade de promotion, je ne vais pas dire son nom. Mm-hmm. Cette fois, il se moquait de Zao. Oui, le caméra. Ah, mais il disait les deux guerres mondiales, les deux guerres mondiales, excusez-moi. Oui, oui. Et finalement, un jour, il a prononcé ça, quelque part, là, il perdait son exposé. Voilà. Tellement qu'il aimait ça. Et lui-même, il devrait exposer sur les deux guerres mondiales, la deuxième guerre mondiale. Et il a dit, deuxième guerre mondiale. Tu vois? C'est pas la peine que ton cerveau s'habitue à des trucs comme ça. Oui. Voilà. Et c'est comme ça. Ils ont dit qu'ils sont venus pour ça. Mais ils ont pris encore les mêmes. Et ce sont ces gens-là qui étaient leurs consultants. Mais ils n'ont pas dit pourquoi ils ont fait ça. En tout cas. Ils ont dit qu'ils sont venus lutter contre la gabegie. Oh, il est... D'abord, corruption. C'est de recruter les gens. Les gens ont payé leur poste. Avec la fameuse commission qui était dans une ville. Moi, je ne suis jamais parti là-bas. Hein, parce que moi, je ne vais jamais payer de l'argent. Pour avoir un poste en Guinée, je le ferai plus. Je ne paierai jamais l'argent pour faire passer mon enfant dans une école. Et en Guinée, j'ai donné des preuves. Je dis, je refuse. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs. J'étais dégoûté de l'enseignement guinéen. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, et pourtant mon frère, c'est comme ça que ça se passe. Et il m'a dit à l'époque, il m'a donné des exemples et j'ai vu. C'est triste et c'est regrettable. Alors, les postes ont été vendus au plus offrant, en dollars, en euros, ainsi de suite. Et ceux qui ont acheté des postes s'attendaient à quoi? Au retour, il fallait quand même qu'ils valorisent leur argent. Mais oui. Parce qu'ils viennent maintenant pour. Aïe. Ça a commencé par ça. Et quand il y a eu des malversations, Amara est venu à la télé. On dit, nous avons constaté les sorties d'argent à la Banque centrale, partie, Nidi, nanana, partout. Mais nous allons sévir. Est-ce qu'il a sévi? Non, attendez, non. Est-ce qu'il a sévi? Non. Parce qu'il est venu prendre un engagement. Non. Nous sommes en train de travailler l'enquête sur. Donc, est-ce que l'enquête-là, il a rendu ça public? Non. Est-ce qu'il a sanctionné? Non. Et jusqu'à présent, il n'a pas fait. Non. Non, écoute, mon frère, je vais vous dire quelque chose. Quand tu dois prendre ton argument dans un débat, tu dois prendre sur ton adversaire. Oui. Et là, la rhétorique. Vous savez, là, le débat, ça s'apprend. Hein? Bien sûr. Quand vous voulez mettre quelqu'un au pied du mur, va prendre votre argument sur lui.
Oui. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. C'est pourquoi il faut aller prendre ton argument sur ton adversaire dans le débat. Il peut le défier s'il avait fait. Il y a eu encore d'autres problèmes au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Ils ont dit que le rapport va être publié. Le rapport a été publié? Non. Oumara a dit haut et fort qu'il y a eu vraiment. Non, c'est Sadiba. Si je ne m'abuse, oui, c'est Sadiba. Qui avait dit qu'ils ont ordonné l'enquête. Et l'enquête là. Jusqu'à présent, le pauvre Sadiba est décédé, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Qui était là-bas? C'était Ousmane Gawal. On a dit qu'il y a eu des titres, des mutations, il y a eu beaucoup de choses. Ils ont même arrêté les mutations. Et finalement, il a été remplacé, on l'a envoyé ailleurs. Comme ça se fait dans tous les gouvernements corrompus. Voilà, on ne cherche pas à tirer au clair. L'inspecteur ne fera pas son travail et puis ainsi de suite. Vous avez vu encore, l'agent judiciaire a dit la prise de pouvoir et la nomination du gouvernement, il y a eu combien de milliards sont sortis dans les caisses de l'État? Il y a eu quelle suite à ça? Rien. Ou bien? Rien. Voilà. Maintenant, non. Cette transition est montée avec les embryons de son échec. Transition a échoué parce que ceux qui sont venus, qui devraient être des arbitres, sont venus être encore, hein, et ils veulent le pouvoir. Et on a nommé quelqu'un au ministère des Affaires étrangères qui n'a aucune expérience. Hier même, quelqu'un m'a dit que Moussandan a travaillé à l'UNICEF. C'est ma première nouvelle, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il a travaillé au compte d'une ONG. Une ONG qui luttait contre l'excision, qui était basée à Addis Abeba. Ils ont eu le prix Nelson Mandela. Voilà ce que je connais. Mais s'il a travaillé dans l'UNICEF, tant mieux. C'est la Guinée. Mais est-ce que ce monsieur s'est amélioré? Mettre travail à l'UNICEF, ça peut faire de lien diplomate? Non. Moi, je ne comprends pas. Je comprends. Non. À quel moment? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il ne connaît même pas les règles les plus élémentaires de la diplomatie. Amakolo. Parce que quand tu m'entends parler, j'avais envie de vous tirer les cheveux. Oui. La dernière fois, il a dit qu'on ne peut pas commencer la rédaction d'une constitution dans ses préambules. Dire que les Guinéens sont égaux, l'égalité, les Guinéens sont égaux, devant quoi elle ne se prend pas, et terminer par l'exclusion. Aïe. Mais qu'est-ce que vous appelez l'exclusion? Dire à quelqu'un avec son âge, et que son âge ne le permet pas d'être chef, c'est pas l'exclusion ça? Exclusion, non, ça c'est pour exclure. Non, est-ce que c'est pas l'exclusion ça? Oui, c'est l'exclusion. Aujourd'hui, si vous voulez exclure, et président Sidi Touré, mais Ouattara est plus âgé que Sidi. Oui. Et il gère son pays. Oui, tout va bien. Le président des États-Unis est plus âgé que Sidi. Carrément. Joe Biden? Non. Ouais, ouais. Non, j'y prends des exemples. Ouais. Quand il est plus âgé que Sidia? Oui. Mais alors, qui taille la constitution sous mesure de qui? Vous mentez à la population et vous voulez encore, hein, nous faire passer comme c'est vous qui êtes les plus usés. Mettez dans la contradiction. Et le mensonge, personne ne peut être écrivain dans le mensonge. Nous sommes accueillis. Maurice Anda, vous avez dit que vous allez commencer les élections par les élections présidentielles. Mamadi a dit qu'il va commencer par les élections, hein, communales et communautaires et terminer par les élections présidentielles. Entre lui et vous, qui êtes en train de mentir? Qui a mis la transition à l'épreuve? Voilà un gouvernement. Chacun se réveille, hein? Il n'y a pas, rien n'est harmonisé, rien n'est synchronisé, rien n'est coordonné. Rien. Celui qui se réveille, il vient devant la presse, il parle en fonction de ses états d'âme du moment. Aïe. Ça, c'est un gouvernement, ça? Ça, c'est pas un gouvernement. Non, mais attendez, même si c'est ça, quand même. Alors,
un ministre des Affaires étrangères. Il va prendre les gens qui ne sont même pas à la fonction publique, qui n'ont jamais connu mon père Béaba. Il y a des gens qui ont fait leur stage au ministère. Ils sont au ministère qui a fait 20 ans de carrière. Quand tu nommes ces gens-là dans les ambassades, tu vas prendre des gens qui sont sortis de nulle part, qui ne sont même pas à la fonction publique, vous les mettez là-bas. Oui. Et vous allez dire que vous êtes venu redresser quoi? Vous êtes venu refonder quoi? Vous êtes venu refonder vos illusions ou quoi? Ou bien vous êtes venu et matérialiser votre incompétence et votre non, la corruption, le favoritisme, le népotisme. Mais ce que vous êtes en train de faire, le régionalisme, le ethnocentrisme, c'est dommage. Alors, vous avez sacrifié Fadiba. Mais vous allez payer ça. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire comme folklore, là, ça va vous rattraper un jour. Voilà. Et ça vous rattrapera. Parce que vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis. Parce que nous allons porter plainte contre vous. S'il n'y a pas de justice en Guinée, la justice se fera. Dans d'autres pays, oui, la compétence universelle, nous allons l'utiliser contre vous. En tout cas, mieux vaut vous soumettre à des juridictions guinéennes. Hein? Parce que là, vous avez vos hommes partout. Voilà. Alors, la transition ne peut pas réussir. Parce que, d'abord, c'était quoi? Alors, au niveau de la défense, celui qui est venu, ah non, moi je vais restructurer, je vais faire ceci, cela, je vais recruter, je vais encore reconstruire les camps, je suis venu ceci, cela, ainsi de suite. On a encore recyclé les vieilles sauces, les vieilles et les vieilles conventions, bon, je ne veux pas appeler conventions, mais bon, contrats, les vieux contrats. Ou bien les contrats, les anciens contrats, pardon. On a recyclé les anciens contrats. Vous les réactualisez. Encore chiffre rond, 200 millions, 200 millions de dollars. Pour un pays où toutes les priorités, près de traquer les gens qui ont détourné pour sortir d'abord, ainsi de suite. Aujourd'hui, regarde la Guinée, pas de route, il n'y a rien, ainsi de suite. Parce que tout ce que vous avez fait depuis la mort de Nansana Conté, avant même la mort de Nansana Conté, parce que lui aussi, son troisième mandat, vous avez mis la Guinée à l'épreuve. Et c'est pourquoi nous n'avons fait que Dante, ça fait au moins 14 ans. Le pays n'a rien fait de sérieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mer. Ah là là, ça rend malade. Non. Maintenant, on va financer la BAM. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan politique? Oui. Nous n'avons pas réussi à réconcilier les Guinéens. N'ont pas réussi à faire d'état des lieux. Ils sont venus, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils ont trouvé, et ils n'ont pas fait d'état des lieux, ils n'ont pas déclaré leur bien, ils nous ont imposé une charte, et la charte aussi a été charcutée, et on a mis la charte aussi de côté. Personne ne parle de cette charte aujourd'hui. Et pourtant, c'est elle qui est en vigueur. C'est la charte là qui fait de vous président de la transition, et qui fait des autres aussi ministres. Si vous violez cette charte, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement en Guinée. C'est pourquoi moi je dis qu'on plie tout ça pour mettre dans la poubelle. Pourquoi j'ai demandé à des forces spéciales libérer Mamadi? Il est entouré par des troubadours. Chacun a mis placé ses hommes à côté de lui. Il n'y a pas un laboratoire. Chacun est venu pour une autre mission comme le tour de Dadis. Et ça va tourner très très mal. Et je le dis, ceux qui ont fait échouer Dadi, et eux encore qui sont autour de tout. Pourquoi vous allez prendre des gens qu'ils savent insulter et puis vous les nommez? Pourquoi pas? Vous pensez que au sommet de l'État, qu'est-ce qu'on dit? Demandez à ces gens-là qu'est-ce que l'État, s'ils répondent à cette question. Parce que j'ai posé la question, peut-être qu'ils vont partir faire des recherches. Mais même ça, tu vas leur demander les éléments et de les définir, ils ne pourront pas. C'est quoi tout ça? Pensez qu'un homme d'État, ça s'improvise comme ça, ça te prépare. Il y a un d'ailleurs, Alors,
Il y a des médecins. Il y a des gens, des avocats, des consultants, des experts, et négocier parce que Moutigama, là, ça va la Guinée avec 1500 euros. Et Moutigama, non. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? Ils vont faire de la corruption? Oui. Il n'y a pas de matériel pour faire les opérations, il n'y a pas de trucs. Mais qu'est-ce que tu veux? Le meilleur cardiologue, l'un des meilleurs cardiologues de la Nouvelle-Aquitaine, c'est ce docteur connu. Il est Guinéen. On ne donnera jamais la chance d'aller travailler chez nous. C'est lui qui les traite tous. Il y a un autre peuple qui est Amiens, cardiologue. Même ce qu'on va se faire soigner là-bas. Mais il aime ce dernier parce qu'il est un bon médecin. Mais il peut dire qu'il n'y a pas un peuple ne sera jamais président. Regarde-moi des hypocrites comme ça. Mais au moins il est socialement, sinon il allait tout bousiller. Mais il respecte sincèrement lui. C'est pour ton cardiologue. C'est un exemple. Mais il y a des gens qui n'ont qu'à insulter. Si vous connaissez, si vous étiez vraiment un bon cadre, on allait vous recruter aujourd'hui pour vous mettre quelque part. Ouais. Voilà. Tout le monde sait. Et même l'Union africaine là-bas, c'est souvent. Tu faisais tout pour vous. Ne nous poussez pas à aller. Parce que tant que vous nous poussez, nous allons entrer dans les deux pays. Mais comme tu n'es pas venu aujourd'hui pour ça. Et bien la transition Tongo, parce que, mon frère, dans Ongo, il y a une numérique pour une année de café. Et puis la promotion là-bas. Et ça, c'est depuis longtemps. On n'a pas pu. Mais on n'a pas pu. Non, écoute-moi. Non, ma mère, tu dis. Il s'est dit, l'ancienne première dame, Djené, Audio. Ne vous pas pour Mani là-bas. Après Jankaruya, ainsi de suite. Bon, voilà. On t'en a refoulé par la sourou, ainsi de suite. Yeah. Mais Mani, un peu bien dans la Guinée, on est en compte pour le voir, compte pour Antina. Mais dans la colonne, on est Mani, dans la Guinée, je l'ai fait. Ça fait longtemps. Mais le PDG même a été créé par un Malien. Voilà. Non, ma précision là-bas, finalement, pas pour vous interrompre. C'était pour préciser seulement à Tangoundiati, à Kéré, devant l'ambassadeur du Mali, dans la mosquée, grande mosquée Faisal, que ses parents viennent de Kaï. Ça, c'était en passant. Vous pouvez continuer, Bangoura, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, tout sera déclassifié. Il y a Corona pour le PIB. Non. Premièrement. Bah, Ousmane. Oui. Mais la famille, c'est la famille d'Em.
Ana palo be. Rinde nana. Soare nera. Sada kule nera. Zod. Nabi. Tapindi. Bara. Nibo rima. Ina nena be. Non, n'y a pas de manapé. Non, n'y a pas. Nabo, awa état civil. La Guinée. Mais ne finir le bangou à la Guinée, c'est à côté. Il a dit, il a camara, il a bail de favolo, on a qui. Il m'y a, il m'y a. Non, non, non. Il y a que l'eau. On l'a fait dans le pied. Non. Non, mais, il n'a pas petit nez, tu vas pas te dire là. Na tu as soumis à la soubanara. A sa bangoura, à bangoura. Il dit. Et moi, j'ai dit. Effectivement, il y a un vrai mal. Il faut le faire, Norbert Rabé. Là, c'est le compte de faire. Non, non, non. Là, c'est le compte. Non, c'est que tu parles. Là, c'est officiel. Pour la canne des nanas, là, vous t'as tourné, vous t'en connais pas. C'est que tu es tourné dans le mal. Mais, moi, je ne sais pas si je suis là. Alors, je suis là. 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 Est-ce que c'est le masal? Nous parlons de la table 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 de Ah, tu sais, Nara, Maliké Nara, tu sais, cela, il y a de Tingile, Bonor Gawal, Bonor Gawal, Bonor Gawal, yo. Ah, Dinaïo, il s'en est pas Nera, Malian Nera, mais Bonor Gawal, Nara, non, Kundara Kanara, Gawal Kanara. Hé, arrêtons les choses. La Guinée, quand on m'a dit, on peut nous mener à Royal Ongoy. On peut nous mener à Yokon. Tous les Africains, Mwama, awanyina kiyama. Mewonga awanyina kiyama kinamba. Eh, mon frère. Mali fini mire kdenere. Mali mire yeba. Niger ba. On a fini de événement na. Mali na mire. Mali mouna yegama. Ana yegama. Mais attendi. Mais nan, kama turu sena yegama bato. Niger lambane. Mali galu nama yoy. Nan yegama kori ma ola maloga drake. Parce que c'est une source. Richesse pour nous, Niger. Alors, je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Niger, je ne sais pas si je suis un homme. Alors, la transition a échoué sur le plan politique et sur le plan grec. On a pris où? On a envoyé où? Non, on a pris le ministre de l'administration du territoire. Ils ont parlé, il est arabec. Là, vous tournez ma soirée arabec, arabec. Ah, récemment, à vocation, à initiative civile, et quoi là, mais mon nom n'a pas fait, alors qu'on pourrait ficher, ben, on a cru, non, papa, il va pas, et le rationaliste, il ne répond, au moins, non, c'est-à-dire, ce pays, c'est pas possible. Wow. Et là, on peut le mettre à rang, maintenant, est-ce que la bête fait pas la bête? Non. Mais pourquoi, typiquement comme ça, on va aller aux élections? Parce que quand on a fait prêt, on aura machine, ma frère, ben, on devait narrer. Oui. Et là, on peut être là, tout ça fait longtemps. Non, la délégation spéciale de Gabriel Sabine, Gabriel Sabine, la nation de Kati Bil Masara. Oui. Et là, l'animation Bil Masara. Parce que Raïmoun, la population, a votre âme. Si vous ne savez pas, l'élection m'a Bil Masara, parce que, il y a des garanties. Oh non. On ne peut pas aller aux élections si les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi? Bon, le ton à Falama. Et là, on est fiché, ton gonga, toi, l'été, on est route. Parce que, n'a rien, comme le sort. Comme les mouillés, comme les mouillés, dans l'ambou. Mais maintenant, regardez comme les Togolais, et voilà que Borisan, en pays, c'est moi qui ai écrit tout. La ville n'est pas la ville moulée. Alors, tout le monde est comme Torori. Tout le monde est comme Torori.
Et nanara on a préféré une transition par échoué. Donc il a fait deux ans, on m'a tapé derrière là-bas, puis à quoi on a détourné, ainsi de suite. Voilà le problème. Alors, il faut faire l'audit même de la transition, et ainsi de suite. Agent du ministère, Panahana, Soban, Kret, Tongoye, Tongoye, Tarogourma. Comme on a besoin de crier, magistrat, il y a ma gérer, les trams, il y a un gérer, Et on a moussé qui? On a grand qui? Et Tanga Miré, une arrêt où elle va être protégée, et Tanga Miré tombe sa guille. Sigil Mouye se tombe. Je suis d'accord, Sigil Mouye se tombe, elle fera tant pis. Mais elle fait projet son arrêt. Bachini Ramara. Bachini, toi, Maya Mago, pourquoi t'as masse ou noir ta guille? Ah, hop, là, t'as un projet là-bas, pour savoir comment détourner. Pourquoi vous allez se réveiller? Pourquoi vous avez un projet sur la raille? Un marché, pourquoi des caisses à l'île? Comment vous avez un marché à l'amine? Un conseil qui est raillé, c'est tout. On a voulu la cuire. Alors, on a mis des Canadiens, avec des Canadiens, avec des Orient, où c'est fini. Quand l'élection d'abord, l'élection n'est pas crédible, à mon nom, il y a des Grenard. Il y a un rabat. On a démarré. Au Bilim Beniba, on va échouer. Nous allons organiser le dialogue avec la communauté internationale. La solution. La communauté internationale au Mali. Personne ne connaît aujourd'hui la dette réelle de la Guinée. La Guinée de l'Union Européenne, on a eu un peu de mal à l'air. On était dans les 7, combien de milliards? Aujourd'hui, au monde au mois de Nikolo. L'Union Européenne, on a eu un peu de la dette interne et la dette externe. Makolo. Oui. Alors, on a demandé, on m'a dit, on m'a dit, devant l'histoire, il faut arrêter. Oh, la Guinée Tongo Denda Galparata, au moins, on est comme un gagne. Il est comme un groma, dans cette même groma, il fallait un référendum. Comme le minima, oui. Il t'a fallu me réveiller, Rafa, attends, t'as pas encore 17 heures. Il n'a pas de bafi. Il est comme un gros moussera. Il m'a pas parlé, mais je vais te montrer ma bête. Oui. Il est comme un gros. Voilà, Alpha Condé, la Guinée de l'Union Européenne, on en est tout. Et pire d'ailleurs, parce que, par rapport à Mouna, son nom, il y a eu Mouna, on a l'autre une Angora, on a l'arrêté d'un cuit, on a tort d'un cuit. Administration, combat Rakana, justice Mouna, c'est pas la Cour suprême là qui va nous envoyer aux élections, c'est pas vrai. Amoufang, fou! Narayana, défang, t'as vu Mouna Ouma. Mais 80% c'est dans la poubelle. Ouais, c'est oui. Il y a un gagné l'élection, il va valider. Il n'a voulu pas le mourir. 80% pour ça. Alors, on a amené. Force spéciale au banc à la Guinée libérée, Mamadi Nancy a libéré Mathilde. Pas Mamadi Tongoa, on aura qu'un cul. Parce qu'il n'a rien à taper. On a bon, il va y avoir la Guinée à Kinare. Ou à Sayatagi, à Ramato, Père Inchiri. On a gagné son nom. Pas Bimba. Pas ta plat. Vous appelez la communauté internationale, les leaders, la reine à exil. Il n'y aura pas. On va se négocier. On va faire un accord. Et on va mettre un groupe de contact pour la Guinée. On ira au Mali. On va minifier et puis on va instituer ça. On ira au Mali. Nations Unies. On va réformer les rabats. On a constitué un toileté, on a élection organisée, et on a élection organisée, on a mangé d'or, il va sécuriser, on est là-bas. On est là-bas, c'est les Nations Unies qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Oui. Et t'en as là-bas. Et t'en as là-bas, même la Sierra Leone aussi, je pense. Mais on est dans ce stade, pourquoi on t'a fait, on t'a fait la Côte d'Ivoire, pourquoi, on m'a dit maintenant, on va tirer au Mali. Et puis on est obligé, hein?
Ça. Non, mais écoutez, non, Akolo, il n'a pas rien à côté, il n'a pas rien. Nous sommes souverains. Nous vivons en souveraineté. Écoute la matima. Écoute la matima. Non, n'importe quoi. Souveraineté. Alors, ordinateur Fumanere, ma chef d'état-major, c'est déplacé, ou bien, gendarme, ou bien, monsieur, pas tout ordinateur Fumanere, ça en or. Moi, pour moi, ordinateur Fumanere, de moi, à l'homme. Mais vous devez aller, m'a dit. Alors, vous avez pas qu'à y aller, ça a des nara. Vous n'avez pas de pédé, ou bien. Parce que, chaque, loi nara. Équipement dans l'hôpital. Il y a quelqu'un qui a un comment ambulance et moi, c'est oui là. Mais il faut être sérieux. Il ne s'agit pas de se prendre au sérieux. La solution, c'est ça. Mettez-toi à plat. La République Tongo a été faite. Dans la troisième mandat, où est-ce que Tongo c'est un théâtre de dissous. Vous amenez. Borerli, il n'y a pas avec la communauté internationale, on se dialogue là-bas. On a dialogue là-bas, les accords, on a signé la communauté internationale au Mali, un gouvernement de gouvernement d'union nationale de transition. Et puis politique, il y a besoin d'un gouvernement. Alors, ça, il y a un Makadara. Parce que, ici, c'est des choses. Transition est chose. Il faut se dire la vérité. Il y a certains partis politiques qui ont envoyé, hein, qui ont recommandé des gens à Bamadi, hein, dans le gouvernement. Oui, bon, est à Maraba, des Marabago, mais à deux Benana, et le commandant n'est pas là. Parce que Bill de Sam, par exemple, est nommé le vieux Macron, est nommé Rina, parce que lui, il a étudié à Cancan. Il a des relations avec Mamadi, des choses comme ça. Il a nommé. On va rester le boulot là-bas, il va la grille. Voilà, mais oui. Il a dit en copie, il y a le Gawal. C'est pas le FDG qui l'a envoyé. Mais par contre, quand il était rentré recommandé, il voulait se faire transition là-bas. Il m'a dit, hein, il a certifié, même les juges, un jour, à nommer Mané. Oui, on demande une commission qui va nommer les juges qui vont piloter la Cour suprême. Puis, avant que renommé déclare, pour commission des radossiers, c'est des. C'est les commissions comme ça que les salutis-là doivent présider. Oui. Parce que c'est un homme intègre. Il va présider des commissions comme ça. Après, on va les renommer. On va renommer. Mais il faut une transition. Et transition, à là-bas, et sur les rapports. Ministère de la Justice, ministère de la Défense, on va sortir là, à Michel D. On est à Michel D. Et était à la Méni. On se remet à l'intérieur. Le commandement justice militaire, là, on a vu Banabiri, chef d'état-major, on a vu des gens. Ça, c'est quoi ça? C'est armé dans une armée. Non, non, non. Ça, c'est l'arnaque. Abiri, c'est l'état-major qui va gérer la gendarmerie, tout. C'est fini. Oui. Au commandement de justice, quoi, justice militaire, quoi, là. Non, non, non. Ce qu'il n'y a pas. Il y a une structure comme ça qu'on a créée avec Hitler. Et puis c'est la même chose au commandement, quoi. On a mon circuit. Mais chez nous, c'est bas commandement. Regarde-moi ça. Mais écoutez, non, mais c'est l'état-major. Écoutez, mon frère. Maman, mon frère, maman. Voilà. Chef d'état-major général des armées, c'est lui qui va gérer tout ça. Le Seigneur, il t'embarre le milicien, tout le reste, c'est des sous. Mais attendez, on a pas de mouvement. Non. Bon, alors, on l'a mort, on n'en a pas. La réforme n'en a pas, on n'en a pas. Et, dialogue, oui. On m'a mort, là, sur vous. Et, on a rabat, mais on nous sommes à Cour pénale internationale, mais on nous sommes à on a bien d'abord, on va y mener. Oui, quel est le signe là-bas, c'est la Cour pénale internationale. Mais on a bien d'abord, on va y mener. Et on ne l'aura pas. Nous allons vous garantir aussi une loi d'amnistie. Oui. Parce que moi, c'est un service de l'Ordre. Mais alors, on a cette guerre civile. On vient condamner, on juge. Et puis, vous allez compromettre même vos progénitures. Parce que la guerre, on y va la venir. Il y a beaucoup de monde. Mais on va au bord. On a cette guerre civile. Ça voulait. On a un à la barre. On a rien à cette guerre. Vous allez passer devant le tribunal de l'histoire, à Mourapa. Il y aura un tribunal en Guinée, à Nouvelle-Nirambe. Il y aura un tribunal spécial sur la Guinée.
Oui, parce qu'ils voient tout. Voilà. On arrête un peu. Le Rwanda n'a pas qu'il y a une tournée spéciale sur le Rwanda. Hein. Alors, c'est l'alliance, ça a été fait. Hein. Ouais. Alors, c'est pas un fait nouveau. Alors, mon frère, dans la Maghreb, on a ramouré pas. On a un sou. On a un concert. On a un sou. 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 On a une élection là-bas, on a un guet d'Europe, on a un roulement. Bon, les élections, il y a un autre terrain, c'est là-bas. Là, on a créé un clip, il y a un bénignon. Résultat, il y a un roulement. Dans le rôle, on a campagne. Parce que nous, on a la campagne, on a un bagage de mal, on a vivé des. Voilà. C'est ce que je veux dire. Non. C'est mon pays. Voilà. Quand il met un ami, il y a un ami, il y a un ami. On tient un ami, il y a un ami. Voilà. Alors, il faut arrêter Mamayala. Et puis, je vais rappeler aussi à Saran Daraba. Voilà, on était par Nabori. Renan Irendi. Là, tu racontes Ramou Samuel Do. Là, tu racontes Ramou Samuel Do, Traigo. Samuel Do, Congolais, mais qui paye? Elle parle d'un signe de Nana. Je n'ai pas la raya Fama. Et comment à toi qu'il a Narasika, Makono après lui, c'est l'ami de Magasuba. Oui. Quand le vieux est parti, Kontena Randa, parce que c'était son homme de confiance, c'était son ami. Makono Ranabi, puis Maravar Lagra, Araya Fama. L'ami de Magasuba, il en a trompé avec les faux dollars. Oui, Prince Yamson. Oui, il n'a fait colonel, diplomatique, parce que c'est le dos. A mis faire la chose qu'on a réglé qu'il n'a pas femme. Et plus dans son, à nous, il y a certains officiers, nigériens là, qui sont tous comme ça, Makolo. Mais, et j'ai le dossier. On a fallu par le climat. Il a un vieux trompé, et finalement, ça ne doit être tombé dans l'embuscade. Président Moufargo. Non, Moufar. Imagine à Ounira. Et comment ça s'est passé? Kefala n'était plus là-bas. Elle avait quitté. Parce qu'on fait une réparation au fait. Kefala dit. L'ancien compte de Yabou Maradan, Mouhila Yagima. Il a protégé tous ses amis. Il n'a pas voulu les humilier. Ah, il a dit Magarounia. Il t'a fait un défaut, il a quitté la flamme du bébé, il a traîné l'escalier canard. Mais il n'y a pas de que, à toi, là-bas, il a rempli sous le régime de ce premier république de la République, hein, nous le savons. Ah, bien, il y a là-bas. Il y a une commission de l'équipe de Fangatiga, il n'y a pas de et Armatan Sarah Nanama, il a dit, vous voulez très bien, parfois, ainsi de suite, t'as pas mon yéra. Moi, puis ça, je vais dire à tout. Moi, je suis déclassifié par les meilleurs accros. Samendo, à ma manière de se faire, c'est tout le monde. Il a tourné le cas, c'est tout le monde. Alors, il y a Fama, M. Rabanda a trahi. Voilà. Au départ, il moi, je suis en train de. Alors, on a Moutan Gouyé, il s'en est. Moutan Gouyé, Moutan Koulou, on a rendu la barre. Moutan Koulou, il a rendu la ville de Bagasuba convaincu. Alors, parlons peu, parlons bien. Quand il m'a parlé, il est de nous, il m'a parlé. Mais tant que Renan, il n'en arrive pas. Il a eu, il fait du bébé d'Onguila. Moi, je ne dis pas, moi, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas. Mais, il est de nous, 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 il est de voilà. Non. Ramatani. Quand ton monnaie, il a même envoyé, tu crois, à la retraite. Ah non, arrête à Rouen. Non, il l'a envoyé à la retraite. À Bourrandara. Oui. Et Nara Biné, Gata, Painandara. Amine, il n'était pas ethno, lui.
mais depuis n'a rien mais ma bille tantama fait la soto. Je sais, il a géré ça avec beaucoup de douleur. Moi, je ne voulais pas en parler. À l'instant, ça n'a vraiment pas bien d'acquis. Voilà. Dans le cas voilà. Mais, M. Bangola, je me dis, il y a tant de dans ces faits-là. Ah, donc, toujours de blâmer, ça veut dire. Non, il veut participer à l'histoire. Attends. C'est pas la logique de la falsification de l'histoire de la Guinée. Il faut le comprendre. Un engagement dans ton goût. Parce que Ramon a participé à la Rasika. Attends, t'as pas mané. Ma peine est vraie. Voilà. À quoi la ville en Abari, il était dans les portes de. Il travaillait à la présence. Hein? Voilà. Et il va le Karim Kira, que son âme repose après la déposition de la main. Oui. Ah, vous savez pas. Elle a réussi à la ville en Abari, mais attends, c'est content de la bague. On va critiquer. Non, mais il a dit la gestion, oui. Oh, il a dit la gestion, oui. Oh, il a dit à côté de moi, ça va. Vous avez écouté le bio dans mon temps. Il a dit comment le PDG fonctionne. Il a fait l'arrivée. Oui, j'ai. Non, on a eu un manga, ça. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Parce que nous, on a eu un manga, on a eu un manga, on continue à manger. Il a eu un manga. Oh, non, non. Merci. À tes yeux, Nana. Je suis à votre disposition. Awa yere la kolonto ombara ibuna adama parce que on promesse ton on est la Guinée kebe on fama on gafa la transition barakana la magharba kina wa d'abord kana comprendre nga kreye barakana sigadimuna wule musigama mamadi alo mse bangura fala kina wa force spéciale wa libéré wa tungu wa hani wa ma la Guinée a fait alko mbirina fe krena evite fe la Guinée na kina reiki la majeur partie re norma la Guinée yalandi ara khonto na ramona corruption kui ri rare le tema armé nana mais fe bete nana na fala ta pourquoi on besoin ri on humain et ra non seulement et ra fe structuré naniyon alko wonno ma sadi election makine a kharid la gine ka khar li sa makine ba yikil election muna am fam parce que mum riyo do ma mo ma toran ko ro fam fi sa tobe e khar li tir na re tira fo fe lan sana ku ya tema a che se fam a piri wu le fam mon frère oui mon frère oui na re be force spéciale ma ma di libéré ah institution na rapide de réhabilitation réforme générale gouvernement bini zéro roi de sa plat la ilaha illallah muhammad rasulullah wo rectification de la transition wa décrété et wo leader n'a extérieur wa les rassos ou combien aux communautés internationales à tous deux à partir de l'extérieur wa plaidé et là-bas moutana pala obé on va pouvoir tout. C'est mon minima rambera, vous savez, la rambera, c'est mon minima. Mais on a non dit la coupure au Malibane. On a voulu ne pas penser à la tina ou l'en a pu. Fille la fin. Et Alpha Tobin Barça Rumba. À la bite de sa lettre à la côte de Rumba. À la bine de ta, c'est de Rumba. Mais des nanas, les tamoula maturale par la pétala. Eh! Non! On vous parle de Anana, on vous a beau rappelé par là. Ah, il connaît des. Non, pour tout le monde, il y a bon nom. On ne m'a pas critiqué de tout. Mais on t'a mis la bonne par là. Voilà, on va voir, oui, ben. La colonne, la rana, non, dira, on va le thématique. On a tiré. Même pays, nous sommes là. Non. On a rappelé par là. Alpha. Tu vas finir Burkina Faso là-bas.
afin de vous faire vous avez parlé de la pouvoir. 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 Vous avez to alba fambar pindi mutan gera babendi tabu le mambara so e mambara alfa so yira bore na ga alarme gina et dans le désert à ce moment il ne savent même pas c'est quel pays il vote na tam una tam tam alfa vite mon père alfa kana bu fam mendi tanna atofa mutan de cuit. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu oui. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Mais je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Je ne sais pas si tu as fait des crédits. Et puis, vu le langue fait créma, je jure sur mon honneur. La Guinée, pas de côté leader de Tongo. Bien à mon équipe d'un trahir, bien à mon équipe d'un trahir. Biri, je jure, je viens de parler avec une de nos sœurs aussi. Alors, non, n'est pas à faire la Guinée. Wallahi. Tout le monde. Non, il est. C'est... Mon frère, il va dire à Togo et à des frères. Moi, je vais vous dire que je vais vous dire que parce que ça va être un peu grave hein, pour toi. Que tout le monde soit unanime que vous êtes mauvais, et tant que Gundima a reconnu un Libanais, moi je ne salue pas les Libanais. Tu ne salues pas les Libanais, tu es avec qui j'ai d'espérer comme une baloma. On a abandonné la tuerie, on a abandonné la tuerie, c'est moi qui la tuerie qui n'a rien. On a assez de rien à moi que l'eau. Dis donc, ouais, ouais. Parlons peu, parlons bien. Il y a un homme à moi que l'eau, il a dit rien à qui, mais il a dit rien à qui, il a dit rien à qui, il a dit rien à qui, mais on va m'abonder au bon moment. Il me réravit, quand même, il me réravit. Jamais, mon abama. Vous pensez, n'a pas de problème. Vous avez un soutien calme, calme, vous avez un soutien. J'ai travaillé pour Air France. J'ai travaillé pour l'ambassade. J'ai travaillé pour des grandes sociétés. La Sogeag. Alors, vous ne pouvez pas. Même Sogeag. Sogeag, j'ai travaillé pour Sogeag. Mais allez-y, regardez mes factures là-bas. Je n'ai jamais surfacturé. Tout est là-bas. Autant de vient. Une bonne partie de mon argent est venue dans les consultations. Ouais. Et des grands dossiers. J'ai travaillé aussi sur le contrat de Rio Tinto. Il n'aime pas ça. On m'a sous-traité ma canerie de Falamabé. Et j'ai ressorti des vices de forme. Parce que dans notre code à l'époque, il faut que la plus haute juridiction se prononce sur l'avis de conformité d'un contrat avant que l'Assemblée nationale, avant que ça ne soit ratifié par l'Assemblée nationale. Et une convention était des milliards et des milliards. Ils ont fait l'inverse. Oui, nous avons montré, ça nous a donné beaucoup, ça nous a donné de l'argent à l'époque. J'ai travaillé dignement. Voilà. Et j'ai sauvé. Air France devrait payer plus de 5 millions de dollars comme royalty. Ça n'a pas été. Parce que l'avocat qui était là-bas à l'époque, il a donné des informations à un autre cabinet. C'est bien de le dire, hein, parce que les gens pensent que Mouta Moussarabari, on s'est retrouvé. C'est à Simana Bego, il était mis dans la justice. La dame qui était à l'agent judiciaire aussi, Mme Souma, a bien fait affaire, Nana. Mali Kaba était ministre de l'économie et des finances. Je ne voulais pas la menacer de Sanakankan. Et finalement, on a gagné. Je n'avais pas de contrat. On m'a dit, donne un montant, on va te payer. Le montant que j'ai donné, je le sais. Alors, parce que j'ai sauvé plus de 6 millions de dollars, plus les frais. Et ça allait continuer. Pensez de Moussa Rebatego. Et l'un des cadres qui a fait ça, il a donné son avis. Parce que c'était libéralisé avec l'accord de Yamoussoukro. Oui, le transport aérien a été libéralisé.
Bob Sow, était secrétaire général ministère du transport, il a donné son avis. Je dis que je n'ai pas fait on a fait le Guinée aussi. Il y a Conti, l'expert comptable, était là-bas. Il y a l'autre là, dans un qui a redit, bourré. Il a travaillé avec Alpha, il était là-bas. Alors, le Kéral a pas moi. Il est venu, on a dit, vous êtes venu quoi? L'avocat de la base qui est l'avocat de la France. Alors, non, Maître Lelouma est là, le cabinet de Maître Alpha Bakar. Comment ça s'est passé? Il y a Guinée, non? Parce que c'est l'autre qui l'avait donné le dossier. Moi, je suis mort, Parce que nous, on a évolué dans la Magoui. Moi, j'ai été payé. Bella a géré mon cabinet. Il a géré mon compte. Bella Ba. Plus de 8 ans. Oh, Maroni, c'est avec le blanchiment là-bas. Sauté général. Oussikana. Oussamato. Il n'y a pas de loi là-bas. Il y a des hommes dignes dans ce pays. Il n'y a pas de fait. Alors qu'on va à Kolo. On y a un peu de temps comme son taïra. Il n'y a pas de temps. Il y a dignement. On y a un peu de temps. Il 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 y a un peu de temps. Tout le temps qu'il a mis en Guinée, demandez au président Sidia, quand il a rappelé l'enquête, quand il était à la primature, demandez à la ministre Mbé s'il m'a vu dans son cabinet un jour, malgré que ma soeur était la bantata, maman à la réafama, on a bouton le roi. Demandez à Bruno, alors l'agra, c'est mon cousin, est-ce qu'il connaît Douane à Fora? On a bouton le roi. Quand on a le dossier sur le dossier comme sur le dossier 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 comme ça. Dossier sur le dossier sur le dossier sur le. C'est pour les Bangoura, là, il fallait me convoquer, là, ça raconte. Oui, un dossier qui était vraiment devenu un dossier d'État. Mais on n'a pas la babi. Voilà. L'affaire Mouman, on m'a invité, je suis allé. Alors, je sais, on m'a dit qu'à Bakolo, à Ouyakolo, le dégrèvement de Mouman, c'est facile. Quand j'ai porté plainte, pour qu'on a crié, tu sais. Et pourtant, comme vous m'avez donné le général, qu'est-ce que vous. Ça n'a compté. Comment vous pouvez dégrever plus de 80 milliards et 44 milliards à l'époque, et 54 milliards de dégrèvement des impôts. Une entreprise qui est riche. Oui, non, maman, nous ne pouvons pas nous remettre, c'est fait. Eric Benjamin Cole, à Colomb. Dans la République de l'impôt, de Colomb, quand j'ai porté plainte, alors, au mot d'un ballon, on a dit Coupe d'Afrique, les 700 milliards de Air France qui a été bloqué au nom de Colté par le Boulénara. Tu n'es même pas parlé. Là, on entend pousser. Et ce qu'il doit offrir à Mamadi, il fallait, n'engueuler dans la Guinée, cabinet qui est fait dans le droit à la présidence.
a dit que c'est filtré. Parce que le ballon n'a pas été Ibrahim. Il n'a pas été filtré. Il n'a pas été filtré. Non. Non, il n'a pas été filtré. Non, mais écoutez. Au cas où on a des palabres, au cas où on a des palabres, il n'a pas été filtré. 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 C'est pourquoi il n'a pas été filtré dans la Guinée. Ma tu bi bra ati bi amene an ka torna supporte ma ni kay na supporte ma parce que supporte ma musulma di ga na na ba gna tawa kulu on was kulu ko tira gouvernement di ga na na ba ko tak ne est ce wa kulu ala ona mo pousse mo hawe amu em ma go la dernière fois na fa mo be on bon do fi fa da ga ngi ba kombi ngi ba kombi ngi ba na avec les pieds par la pub na fa lo be na ko ha di ke ngi na la wa ngi ba te do ma ngi ne o fon te na ba la Merci beaucoup. Monsieur Wang, c'était une occasion pour la Guinée de profiter. C'est un Chinois et qui a des intérêts à Singapour. Il pouvait vraiment aider la Guinée. Je connais. Et je sais. N'a rien escroqué. Voilà. Et je connais. Je sais. Je sais. Les permis. Mais la couleur. Nous, et moi. Nous, 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 on est portable la peine à qui, à port autonome, il y a combien, il y a quoi. Mais, non, et quel est le problème? Bah, Outhmane. On va faire passer le bras automatique, on va passer le bras automatique. Mais, bah, Outhmane. Bah, Outhmane, d'habitude. Ouais, bah, Outhmane. Non, 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 ne musa baa ne na ngay dangir bi on nga on de protéger nga wande to ngane humilié ah non 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 amura baa ma makulu na ngay na wambira voilà alors dang ben na sibli et merci et bangula merci alam be marhaba merci et bangula ko akolo problème na akolo ok ma merci et na sika sidende meme sans cela, je vais me mettre parce que mon camarade est touché. Parce que, à Clou, il y a Bangoura fait dans la Guinée. Il y a un peu de pareil que le Caïné. Mais tu vas. Non, ne pas le Caïné. Ne pas le camarade en Akigo. Non, camarade en Akigo. À Clou, tu m'as. Non, parce que il y a une minorée. Mais quand elle est devenue historienne, problème na dena wona bangure na yiri mais ah vas-y ano touré parce que na rien touré non akolo mameti tra la ke duna akolo elaboré c'est de et puis t'as parfois hein ne clique pas non ber gabe balle ke ou les savon ba et pas que la balle ando pas dans la musée salama nous ça pas mal tambe et pour ce pas qu'on a te ben ta akolo Nda kolo kaba isalami fe geli e juillet na ta arami de geli 2 3 février nda c'est le juge d'aidera qui a signé votre ordonnance tonton qu'elle parle qui est venu vous chercher mais il n'a pas non ben na kolo tra fallo ben avec de guiné na ba gemu quel doit être sayi le soir non ben ma wori tra pas ben quel be non me dit rien non ben c'est un prêtre ça ah ouais ba tu ya ma non ben c'est pas tel con qui non ça Il est en train de me faire un peu de temps. Non. Voilà. Il fait un enfant
na braga na ka ordinateur na na mamadira fende ndena na etala marigi ana ga sa parce que fende ndena ni dogo na ki te mu sa wende he ma hunde ba mun ri ko fa fe to na me na ko he la ilaha illallah kana ga kolon ono jeune fille peul ndes ga ne londe hotel ko nga fa le be sona itan elle fini ndende la mun yo ko le fa fe inana parce que na to ki na ga na fa non, ça l'a dit, nana. Nana, hey, mon frère, Oui. Il s'est dit, il a rappelé dans l'arabe. Non, parce que. Agbo! Non. Bon, alors, on t'en a excusez-moi. Non. Jamais. Mais, il fait. Il y a quand même monsieur, d'abord. On t'y fait. Mais on t'y veut le combiti. Mais non, n'y a retour. C'est un rabbi, sans qu'on va venir au Maracana. Mais on m'a dit le combiti qui finit ma boussera. Alors, tu n'as pas de la matière, André Bato. Mais on n'a pas de la canama. Je vais vous dire, c'est de la Seigneur de Tofa. Et le Seigneur a banqué comme. On a créé. Et c'est quoi, n'est-ce pas, il faut le dire. C'est quoi, n'est-ce pas, il faut que vous soyez là, par moment. Mais attends, on va me parler de la réponse de bande de réalité. On est sédé, mais on est tombé sa guéri. On va faire un mieux nommé. On va nous amener, il est dans la porte romba. Nous ne rions pas romba. Manque la fille, la guinée manga par l'obé, autant en grille. Dans la boutique, autant en grille, en matica. Mantosica, n'a pas manqué, n'a pas l'obé. On t'a couru la fête de la Mayama. Mayama, Antina. Ah non! On a un aéroport, à tout peu de monde en a origine. Tout dans sa région, dans un arabe, à côté de la rame, à ma soirée, nous sommes de Vasso, où t'as liberté à Biogu. Parce que mon neveu Ali, il n'en a compte. Parce que lui n'était pas d'accord aussi pour le cas de Ali, plutôt Ali Sou. Il n'était pas d'accord, il a volé à Bangira Bila. Le restaurant là, nous sommes en Aokerengo, le restaurant Mouv, nous sommes en Aokerengo. Mais on a rendu là. Mais on va voir, on va voir, pourquoi on a attendu le canama? Mais pourtant, il m'a dit, on va aller au Nalo et Conakry, avant de ramener à toi, parce que je suis ministre, ben ceci, cela, mouillez-le. Elle a le pouvoir dans le pouvoir dans le monde. Mais tu as le pouvoir sur Otaïra. C'est celle-là qui était la conseillère de ce quoi? Oui. C'est la Sangaré. Elle rédige bien à Harangui. Et on a la conseillère. C'est quoi? C'est la liberté. On a dit c'est moi. On a dit non, c'est moi. On est de ce colon. Alors, Moutan fait colon. Nous avons amené des analyses, nous avons fait qu'on avait un game. Tout est à tout le monde. Au cas, on a donné à tout, on a un bras au bourg, on a dit. Routi, on a dit à la maman, 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 on a dit à on a voyé vous prêtez porte-monnaie B, qu'on a France B. Parce que c'est un travail suspendu. Alors, on a cette vision, on a ce combat bafi. Quand vous avez tiré Malik. Oui, c'est vous intervenu. Oui. Vous avez intervenu à nous, Paris. Oui. On a dit. Et moi, monsieur, comment vous faites, moi, Colo? Oui. Alors, Fana, et boycottez-moi. Madame Oubari, après Pindana, contre lui et contre Esco. Il m'a respecté pour ça parce que c'est un ami.
Pourquoi? Parce que j'ai démissionné, les femmes sont sorties, tu as été humilié. Et j'ai sorti aussi l'enregistrement dans l'armée de Rintan. Et bêtement, je vais écrire. Parce que je vais faire un résultat. 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 J'ai rédigé un discours. Moi, je suis irréalisable. Pour demander pardon au peuple de Guinée. Nous allons maintenant informer le peuple. Parce que tu as l'information sur mon réveil. C'est toi qui donnais les informations à Manda. Et il y en a un peu qui n'a pas mis le bras. Tu as mon déçu à Mirail. Parce que vous ne le compromis pas. Tu n'as pas la même terrain. Parce qu'après, il y en a un peu. Tu n'as pas le pays. Merci. Voilà. Merci. Oui, il est bon. Nous avons créé une colonne. Cette soirée nakolo on fama lude yire kirenga alati parce que tambara won so akui d'abord akolo ono ibn adam afanyem malang wende nana unsiga ma falara. Mais y Guinée, Nangli, Sarandaraba. Acide Nara pour la société. Agnari, Chibir, Mbébino. Quand on m'a fait bien, Khalil m'a fait bien, il y a un gars. Quand on m'a fait, on m'a fait bien. 32 escaliers, on m'a fait, c'est-à-dire, des gars, on m'a fait bien. Mire perdre ni la dernière ou le qui a rabirimbana à tenant circulement sore tagi ha wom a manke manse bagnat et puis manke mara ma colon ce c'est la barra pourtant à ta réanime fait son associé dans l'enfilance à la contra. Parce que nous avons imposé nous, les idées et tout le monde. Mais, on a un peu de criminalité dans ce pays. L'histoire vous jugera dans ce pays. Il est en train de dire. Ce c'est un arrêt. Vous voyez, mais. Tu as un peu de terre. Ibara na hanna ba yi bohira wa gbegbe falama na be hanu o bre nga faga ala na khay ilu muna kasare na nkuik muna kame na nkuik i horo manike di manike lasiri ana gambe kame na hanna lagine am afar taradi lagine horo o ile hal senegal be bangay. Il tente de se faire. Il faut faire des choses. Au gain et d'une barre de frina. Ayon fait naïk. A ton roi naïk, maman dit. Rien, mais maman dit, il a fait.
Rima me esesera ba ma imkobri fefere bori kana fe tunara itankere bila kolo mumo ama farfe magazubana samia lo trahi ba muna kona kerne kobri fe bansa kontama imili ana retraité c'est sem falsifier ma tout est là c'est na red na ekomok liberia sera le ndemo fa agbegbe ma mon oncle était là bas na agbegbe na nana kona kerim fari Il y a des gens qui ont la Guinée. Ils ont fait 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 la Guinée. Directement on balance. Ils ont fait la Histoire à JGB. To omo wa mfego fegbegbe na na fo de mon natima pour le respect des êtres guinéens ne le m'a pas lancé maraba ala na maher fima parce que je sais comme famane agno fala saranda raba i bogné sa dunia ma sono avec ton âge mon mi bien ma sono i bogné sa mire runa kana fima i borima mire na ram far far kari na nga sa i borima Kakari Moussa a mou fam, ou mou kontire ma ima. La Guinée jeunesse moua ma yuron solon. Mou bar tegan oule ma, mou boria ila ma. C'est pas la peine. Ou fala Ismaël Kondebe, d'arrêter de faire des démarches locales, des démarches stupides comme ça là, auprès de nos parents. Sa télévision la m'a dit tout ben rally m'a dit non man sardé pour ma colonie na association lui adoré télévision na nga khali 20 inch 20 inches I don't know khali ma yi écran babé adoré carton que imré ma khali ma autant Ismaël Warati OK roulé quoi mon frère Ismaël Kondé ma colonie si les maires ou quoi Le matin, mon frère, il faut arrêter. On a. Si il y a une bonne chance à quel Et ouais. Autant on a béto, tina, on a bébri, tina, bora, on a bébri. C'est quoi ça? On va la maman dit, on va pouvoir on a cana. Ou apprêter. Parce qu'il y a une qui, Fondation Générale, la Guinée, elle. Ou le gros, on a ma sonon. Putain. Nous avons fini la pêche à domaine. Mon frère, Meryl Falame, on a fait l'euro. C'est à Colomb. Ma consultante en est là, que je respecte beaucoup. Et je respecte, oui, nous avons mandé une fille. Oui, monsieur Bangoura. Allô? Allô, oui. Mon frère? Yeah. Allô, nous, c'est toi. À quoi nous avons parlé? Yeah. Il y a des gens qui sont pour la table. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es Je connais les universités de Bordeaux partout. Bordeaux, même si tu es là. Mon frère est là pour te dire. Il t'a manqué la Guinée. Il s'appelle Natoura Bumbo. Il y a problème. T'as coulon. Et puis, il n'a pas de bête. Il va dire à Yamanema, il m'a soutenu. Soit à Fini, à Rouma Tungwara, ou à Papara, à Tonegarande, à Fini, à Lomar. Nanara, Rio est radi, il m'a protégé. À Paran, à soutenir Nedi. Il m'a soutenu. À sa moitié, mon bala fait de la thérapie, à des canons de la banane à bouffon. Il va tenir les femmes Maroc. Et vous, il est à bout, mon frère, Marocais, il fallait m'aller virer, il était mati, Guinée. On a dû mettre ton goroy. Rapport pour tatou. Et ma sonnerie, il a regardé. Fume des canons là.
où la Guinée est membre des Nations Unies. Mais le Mali est fort. Anouna, il n'a rien à dire, il faut que tu aies un peu de temps. C'est le gars qui m'a fallu me passer par toi, il n'a plus. Quand des mois avant, après ça, il faut comprendre. Non, non, mais c'est le gars qui m'a fallu me passer par toi, il n'a plus. Moussiama. Il y a des gens qui m'ont dit. Il y a des gens qui m'ont dit. L'État a coulé, il y a des gens qui m'ont dit. Et chantage dans ma malgré les bestos. Les bestos, non. Là. Là où on débaillit là. Ah, merci. Et merci. Merci, partez vous. Et j'ai des diplomates, non, vous merci beaucoup. Voilà. Ah, ouais, il est. Monsieur Kande, mon femme en a préparé. Je vais le soumettre. Comment répondre à votre question? Nous avons fait cette soirée, tant que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un permis. Et quand un frère à moi que je respecte beaucoup, parce que je suis un consultant hier, on a une idée de faire vraiment que j'ai apprécié. N'a qui reforme nan l'amma la Guinée, c'est-à-dire à pire à tous les niveaux. Réforme générale. En fin de pêche, en fin de mine, en fin de guerre. Faut réforme l'angaraba ama. D'abord, il n'a rien coulé, il n'a rien. Maintenant, pêche n'a rien à la Guinée, c'est mal géré. Parce que Mirinerie n'a rien domaine mara. Yé n'a rien à la Guinée, non, la Guinée tide. Ha yé l'anga faïra. Ha économie n'a rien à la mounyoma. La folon a c'est moi. Ina matoto bato na reina anu na re pêche industrielle la bame artisanal apirna ibn adam e hayuba nankui ou les membres du gouvernement alors que c'est quelque chose na hamura bame mu tax fima et yere pirin nous a cas licence nara na pirin réforme na raba. D'abord, les inspecteurs maritimes, alamma école a créé Behan et Rafabi. Il a fait aux États-Unis. Arabama la Guinée n'est pas colon. Il n'a pas fait Arabafi rabour. Il n'a même Arabafi et Arabé. Il paye en fonction de ça. Donc, tant que au moti n'a créé bon, il y a un domaine pirinara. Domaine pirin. Après la maha, réforme générale garaba brima. C'est ce moufan. La Guinée moukirim bénéficie fait. N'a la maha borite. Donc, mon frère, mon femme, y a badé, n'a qu'on mouguer oro. Mais, faut, on a wal n'a qu'une alatin devant les techniciens parce que, Mire et Nana, qui connaissent mieux que moi, et n'a rien à faire ça en place. Et puis, n'a pire n'a pas le ministère de la Justice maintenant n'a pas à couronner, c'est-à-dire à Yalan, Ridang Birenana, à Birinayoma Menine, à la Canaborima, Borimuyerama, Borira Economy Mufama, Antina, pour une génération et endettée, Nara Mufima, Amadini Bapouara, n'y est. Il faut faire tomber tout, mais tout, il faut mettre tout à plat. Il faut arrêter dans ça. C'est le plus grand bandit fossoyeur dans ce pays. Comme il y a un signe décaissé, Atana décaissé, j'ai le numéro de chèque ici. À Pirinaï, et dans ça, Damaro Managi. C'est un corrupteur, un bandit de classe, langue. Ça. Non, ma avocat a débarqué en tout parce que je commence à être dépassé quand je vois la Guinée comme ça. Ça fait mal. Ça fait très très mal. N'endettez pas les jeunes, la nouvelle génération qui naissent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez?
on a ce film. Amadi on a fait tananago. Ingui n'a pas tandi. Après 2 ans et 2 mois de la transition, il fallait en tout faire tout. On a appris tout mané. Il n'a pas nagana. Il n'y aura force spéciale. Au gouvernement n'a pas la CNT, banque et fi, miriomu minima nara parce que. Et puis, je suis venu à la maison et je suis venu à la et puis, je oui, et tani poussé roulement, et tani poussé faiblement, à Foriba, à Dimariba, puis je suis alors, on la Guinée, à la Mouna, à la Fira, à la Mouna, à la Guinée, c'est ce qu'il fallait donner. Au mieux, il est temps, il n'est jamais trop tard. Ton frère est en vie encore, Fodi Abbas Bangoura. Et Amawari. Je vous remercie et bonne journée. Ok? Monsieur Soare Mamadi, demain, à la Tin, au Fama Ludé Yirekene, il fait un colon, il ramasse la Guinée Keba, il ramasse la Guinée Keba, il m'a limané la Guinée Keba, non, ma Kame Badi Makina, il m'a limané la Guinée Keba, Fama Bour Makina, il m'a limané, en Fama de Inta Yina Fama, non, il n'a pas de malifé, il n'a pas de malifé, pas autre chose. Parce que mon homme a cobri fille d'un tamma. Et tu ne connais pas la Guinée mieux que moi. Ce n'est pas possible. Non, non. J'ai vécu là-bas. Je suis né là-bas. Grandi là-bas. Mode de vie n'a rien à me réunir. C'est ça. Donc, on a qui. C'est mon natima. Je vais vous faire ma fala. Transition va échouer. Je vous remercie.